Philippe. Heureuse de vous retrouver comme chaque samedi soir pour Quelle Époque. Merci au public d'être là. Et sans plus attendre, mesdames, messieurs, c'est bon. Sans plus attendre, on accueille notre invité permanent, l'incomparable Christophe de Chavannes. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, bravo! C'est la première fois qu'on prend un malentendant en régisson. Ben, c'est bien. C'est bien. Qu'est-ce que c'est que ça, Christophe? C'est un cadeau. Je ne vous demande pas qui vous l'a offert. Non. Quelqu'un qui vous veut du bien, manifestement. Ah ben là, pour une fois, oui. Vous êtes gentil, oui. C'est vrai. Vous allez bien? Oui, je vais super bien, et vous-même? Oui, je suis contente de vous. Quelle bonne semaine. Mais moi aussi, je suis content. Ouais. Ça y est, j'arrive à les allumer. On peut les enlever, je pense. Mais je vous remercie. Voilà. Voilà. Et on aura... encore, vous êtes parfait, on est parfait. Vestimentairement, on est parfait. Nickel chrome. Ça va? Ouais. Ce blazer. Oui. Ces boucles d'oreilles, là, on est, ah ben là, on est bien, on valide. Ouf. Non, mais on est, j'ai eu peur. C'est l'osmose. J'ai eu très peur. C'est l'osmose. Comme chaque semaine, on retrouvera Philippe Cavrivière pour ses deux rendez-vous, le film Paul. Et puis bonsoir, mon petit Paul. Bonsoir Léa, bonsoir Christophe. Ça va? Et bonsoir à tous. Bon, vous êtes prêts? Tout le monde est prêt? Moi aussi, je vais venir chauffer le public avant l'émission. Eh ben oui, il faut que vous veniez. Ben oui, oui, parce que Paul le fait. Ah, c'est pas con, hein? Eh ben oui. Allez, bonsoir à tous. Bon, allez, on est prêts. Quelle époque, saison 2, épisode 22. Voici le sommaire. Et d'abord, où se cache Xavier Dupont de Ligonnès? Interview exclusive ce soir dans Quelle Époque sur l'affaire criminelle la plus mystérieuse, la plus terrifiante, la plus fascinante de ces dernières années, l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès, qui déchaîne les passions depuis ce mois d'avril 2011 où une mère et ses quatre enfants ont été retrouvés morts, enterrés dans le jardin de la maison familiale à Nantes. La sœur de l'homme le plus recherché de France, Christine Dupont de Ligonnès, publie avec son mari un livre, ce livre, Xavier, mon frère, présumé innocent, où elle donne sa version des faits. Elle s'exprime pour la première fois depuis 10 ans à visage découvert ce soir. Elle est dans Quelle Époque? Il est le plus populaire de nos chefs cuisiniers, 10e personnalité préférée des Français dans le dernier classement du JDD. Avec ses coups de gueule et sa sensibilité à fleur de peau, il revient dans la nouvelle saison de Top Chef sur M6, la 15e. Et il est ce soir dans Quelle Époque? On passe la soirée, mesdames, messieurs, avec Philippe Etchebest. Populaire, il l'est aussi, révélé dans la comédie musicale Notre-Dame de Paris, adoré par Jean-Jacques Goldman qui lui a écrit plus de 20 chansons. Il est dans notre paysage musical depuis 30 ans et signe son grand retour avec un nouvel album, Le Chant est libre, une grande tournée et toujours cette voix super puissante. Patrick Fiori, le plus corse de nos chanteurs, est aussi avec nous ce soir. He's back! À l'issue de la journée la plus attendue de la campagne présidentielle américaine, le Super Tuesday. Pas de coup de théâtre, c'est bien Donald Trump qui devrait affronter Joe Biden en novembre prochain. Malgré les polémiques, malgré les provocations, malgré les affaires judiciaires, l'ancien président continue de fasciner une partie des Américains et d'inquiéter le monde entier. On en parle ce soir avec Mélissa Bell, la correspondante de CNN à Paris. Et aussi, vous allez le découvrir, le fan numéro 1 de Donald Trump en France. Il s'appelle Nicolas Conquer. C'est le porte-parole du Parti Républicain ici en France et vous verrez, il parle de Trump, je vous raconte pas. Elle est la danseuse préférée des Français, de l'Opéra de Paris à Danse avec les Stars, elle démocratise, elle popularise la danse depuis des décennies et elle est époustouflante dans son nouveau spectacle, Gisèle à la scène musicale. Marie-Claude Pietragala va nous faire danser ce soir et puis on vous présentera l'homme le plus fort de France, un titre qu'il a remporté 5 fois de suite. Il mesure 1m83, il pèse 160 kg, il est capable de tirer des camions, de renverser des voitures avec ses seuls bras. Vous allez halluciner. Philippe Etchebest. Mais c'est le sosie de Philippe Etchebest. Oh, le pauvre Philippe. Mais non. Quand même. Quand même. Le très impressionnant Aurélien Lejeune, sosie non officiel de Philippe Etchebest. Vous tombez bien, il lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Ouais. Il est forcément... Enfin, une grosse goutte. Hein. Dans Quelle Époque?
Mais d'abord, mon cher Christophe, je sais que ce sujet vous fascine comme beaucoup de Français. C'est le plus grand fait divers de ces dernières années, peut-être du 21e siècle, l'affaire criminelle qui passionne notre pays depuis 13 ans. Je veux évidemment parler de l'affaire Dupont de Ligonnès. Xavier Dupont de Ligonnès est soupçonné d'avoir tué sa femme et ses 4 enfants. Il est le suspect numéro 1 dans cette affaire. Il est même le seul suspect et il est toujours introuvable. S'est-il enfui à l'étranger? S'est-il suicidé? 13 ans après les faits, sa sœur sort du silence. Elle livre sa vérité dans un livre qu'elle signe avec son mari, Bertram. Xavier, mon frère présumé innocent, je vous demande d'accueillir Christine Dupont de Ligonnès et Bertram de Verdun. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir Christine Dupont de Ligonnès. Merci d'être avec nous. Vous êtes la sœur, l'une des deux sœurs de Xavier Dupont de Ligonnès, l'homme le plus recherché de France aujourd'hui. Ça fait 10 ans que vous n'avez pas parlé. La dernière fois que vous avez parlé, c'était à visage couvert. Merci d'être là à visage découvert ce soir avec votre mari. Bonsoir. Bonsoir Bertram de Verdun. Vous êtes le mari de Christine et tous les deux, vous avez enquêté et vous livrez votre vérité. Donc, dans ce livre-là, Xavier, mon frère présumé innocent, chez HarperCollins, c'est votre contre-enquête qui vous a pris des années. Vous avez regardé tous les documents de l'enquête judiciaire, les milliers, les dizaines de milliers de pages, même on a parlé de centaines de milliers de pages autour de cette affaire-là. Vous avez tout regardé et vous livrez votre thèse, une thèse qui va à l'encontre, soyons très clairs, de la thèse officielle, la thèse privilégiée par les enquêteurs. Vous allez nous l'expliquer. Mais d'abord, si vous le voulez bien, revenons en arrière. On est le 20 avril 2011 et la France découvre dans les JT la disparition d'une famille nantaise, bien sous tout rapport, un couple, 4 enfants, la famille Dupont de Ligonnès. Cette disparition inquiétante de toute une famille à Nantes. Les parents Agnès et Xavier, âgés d'une 50aine d'années, et leurs 4 enfants de 14, 17, 19 et 20 ans ne donnent plus de nouvelles depuis une semaine maintenant. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Dans l'actualité ce soir, le choc à Nantes où une famille de 6 personnes était portée disparue. Plusieurs corps ont été retrouvés aujourd'hui à leur domicile. 3 corps et même un 4e, juste à l'instant, ont été découverts au domicile d'un couple et de ses 4 enfants. Des gens qualifiés de sans histoire, mais qui n'avaient pas donné signe de vie depuis le 4 avril dernier. En creusant, les policiers viennent de déterrer le bout d'une jambe, suivi d'un corps tout entier. Au total, ils découvriront 5 cadavres. La mère et ses 4 enfants, enveloppés dans des sacs de jute, enduits de chauvilles. Et l'enquête bascule donc malheureusement nettement sur une qualification criminelle de séquestration et d'assassinat. L'autopsie révélera qu'ils sont morts dans leur sommeil. Chacun d'au moins 2 balles dans la tête. Seul le père Xavier reste introuvable. Où êtes-vous à ce moment-là, l'un et l'autre, quand vous découvrez ces images à la télévision, Christine? Alors moi, je suis à Versailles. Et je suis... Comme la France entière, je suis sous le choc, évidemment. Vous êtes sous le choc? Oui, bien sûr. On ne vous a pas appelé avant, vous découvrez comme la France entière à la télé? Je ne découvre pas, parce que j'ai reçu une lettre de mon frère avant son départ, enfin avant qu'on trouve les corps. Donc j'ai une autre, enfin, j'ai une autre approche, bien sûr. Bon, en tout cas, vous ressemblez à votre frère. Pas physiquement, je veux dire. Bien sûr. C'est vrai que vous ressemblez à votre frère. On m'a dit, oh, t'es sa frangine, ça c'est sûr, tu peux pas, tu peux mais pas là, le cacher. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez ces images-là? Oh, ben, c'est impressionnant. C'est impressionnant de voir son frère comme ça, effectivement, sous les projecteurs. Bien c'est sûr. Plus... Et vous, oui? Non, c'est plus impressionnant de voir son frère sous les projecteurs ou d'imaginer que ce qui est dit soit la réalité. Ah bah c'est tout un ensemble, bien sûr. Mmh. C'est tout un ensemble. Mmh. Et vous, Bertram, qu'est-ce que, où vous êtes à ce moment-là? À ce moment-là, je suis au Yémen. Je travaille, enfin, je suis en rotation un mois, et c'est pile le moment où je suis reparti au Yémen. Et là, votre femme vous appelle, vous découvrez Non, je suis un peu au courant par elle de la disparition de la famille. Et puis tout d'un coup, le jour du 21 avril, là, je découvre la... Enfin, je vois par les médias qu'ils ont découvert des corps et je ne comprends pas. Vous êtes abasourdi? Je le dis souvent, c'est la semaine qui a suivi, c'était le pire moment de ma vie. Le pire moment de votre vie, et vous aussi, quand vous découvrez qu'il y a 5 corps qui sont enterrés dans le jardin de la maison de votre frère. Alors, mon approche est un petit peu différente, puisque comme sœur de Xavier,
Par définition, je le connais très bien, même si, bien sûr, l'amour peut aveugler, mais l'amour peut aussi rendre très lucide. Et la seule chose, c'est que je n'ose pas parler de cette lettre qui, pour moi, est importante, que je ne prends pas à la légère. Et je n'ose pas en parler à Bertram, parce que je sais que je suis sur écoute, je sais... Enfin... Pourquoi vous êtes sur écoute déjà ? Parce qu'il cherche déjà... Excusez-moi, je me suis peut-être trompée, effectivement, je ne suis peut-être pas déjà sur écoute, mais dès qu'on parle, effectivement, dès que l'affaire sort dans les médias, là, oui, très rapidement, je suis sur écoute, puisque mon frère est d'emblée soupçonné. Cinq corps sont donc retrouvés enterrés dans le jardin, sous des plaques de ciment, ligotés, enfermés dans un sac plastique, les bras repliés en croix, avec à côté un chapelet, une croix et une petite statuette de la Vierge. Les corps sont identifiés comme ceux d'Agnès et des quatre enfants, Arthur, Anne, Benoît et Thomas. Ils sont identifiés, il va y avoir une autopsie, il va y avoir des analyses ADN. À ce moment-là, quand les journaux annoncent que c'est les corps de la femme et des quatre enfants, vous le croyez ? Personnellement, je ne le crois pas. Pourquoi ? Parce que cette lettre que j'ai reçue 10 jours avant m'a d'emblée donné un autre regard. Alors, je conviens que c'est assez, c'est assez invraisemblable. En tout cas, à partir de là, les enquêteurs se mettent sur la piste de votre frère, de Xavier Dupont de Ligonnès, et ils retracent son itinéraire pendant la première quinzaine d'avril, quand on peut encore le pister. Autour du 10 avril, soit environ une semaine après la tuerie, il quitte Nantes et fait un premier arrêt à Toulouse. Le lendemain, il repart en direction du Vaucluse, ville du Pontet, où il choisit de faire étape dans une auberge 4 étoiles. Nous sommes dans la nuit du 12 au 13 avril. Il y réserve l'une des plus belles chambres avant de dîner tranquillement à cette table. Il avait une attitude tout à fait normale, donc je veux dire, il n'était pas du tout stressé, il avait l'air très détendu. À aucun moment on a pu s'imaginer qu'il y avait un problème. Changement radical de décor la nuit suivante, il dort dans un hôtel Formule 1 de Roquebrune-sur-Argens, dans une chambre comme celle-ci. Le lendemain matin, il repart et laisse sa voiture sur le parking. Les gendarmes la retrouveront 6 jours plus tard. Dernière piste en date, une photo de lui retirant de l'argent. Depuis, plus aucune trace de Xavier de Ligonnès. Et là, une frénésie, une hystérie collective s'empare de la France qui ne va jamais retomber. Au fond, tout le monde ne parle que de l'affaire du pont Ligonnès. Chacun a son avis sur la question. Les réseaux sociaux relatent les thèses les plus farfelues possibles et imaginables. Le magazine Society sortira un article, une enquête de 4 ans, quelques années plus tard, qui va se vendre à des centaines de milliers d'exemplaires. Ce sera en rupture de stock dans tous les kiosques de France, tellement cette affaire fascine, inquiète, terrifie les Français. Vous avez compris cette réaction, cette hystérie peut-être médiatique, mais aussi collective des Français par rapport à cette affaire-là ? Alors, avec la durée, oui, je peux comprendre que ça passionne, enfin encore aujourd'hui, puisque c'est assez incompréhensible. En revanche, sur le moment, alors peut-être parce que je suis directement concernée, j'ai trouvé que l'emballement était excessif. Et surtout, enfin, moi, je suivais, puisque je suivais effectivement les informations annonçant la disparition, puis la découverte des corps, et je trouvais que c'était vraiment... c'est ce qui m'a décidé à prendre tout de suite un avocat, aller voir Maître Stéphane Goldenstein. J'ai trouvé que c'était... Il y avait vraiment une... un excès. Un excès qui commençait à m'empêcher de dormir. Je me suis dit, non, il faut vraiment réagir, moi-même. Oui. Une des dernières images qu'on a de lui, c'est dans ce Formule 1 de Roquebrune, où, on va voir l'image, ostensiblement, il regarde la vidéo de surveillance de l'hôtel. Vous comprenez ce regard ? C'est le dernier... Est-ce que c'est lui, pour vous ? C'est lui, oui, je pense que c'est lui. Ça, c'est lui ? Bien sûr. D'accord, donc là, il est vivant. Oui, clairement. Et vous, Bertram, vous comprenez la frénésie qui s'empare, le fait que tout le monde ne discute que de ça, parce qu'évidemment... On s'identifie à cette histoire, à cette famille-là, une femme, 4 enfants, c'est terrible. Vous comprenez ce qui s'empare de la France ? Avec le recul, oui, j'imagine que d'abord le fait qu'on ne le retrouve pas, donc qu'il manque un certain nombre d'informations sur la façon dont ça s'est déroulé. Et peut-être aussi... Le fait que c'est difficile de trouver un mobile, c'est difficile d'expliquer comment... Inexplicable. Voilà, c'est ça. En fait, c'est pour ça. Ouais. Mais vous dites qu'il manque un certain nombre d'informations. Genre, parce que j'ai lu pas mal de choses, notamment de votre bouquin, les informations, il y en a beaucoup. Alors vous dites qu'elles sont plus ou moins vraies, mais il y en a quand même beaucoup.
Les informations qui manquent, c'est la scène de crime qui manque. Il n'y a pas de scène de crime dans la maison. Et ça, c'est très curieux pour cinq personnes qui seraient assassinées. On ne la trouve pas. On ne sait pas où ça a pu avoir lieu. En tout cas, selon la police, le quintuple meurtre a eu lieu entre le 3 et le 6 avril 2011. Mais le 3 avril à 22h37, votre frère vous laisse ce message sur votre répondeur. On était à Épinoche en famille et au restaurant ensuite, dimanche soir. Et on rentre juste. Donc, je t'ai envoyé un petit truc pour te demander si c'était trop tard pour le téléphone. Et puis là, je voulais sur ton répondeur. Voilà, je t'embrasse. Si c'est pas trop tard, tu me redis. Tu m'envoies un petit SMS et toi, là, je vais coucher les enfants et dire bonsoir à tout le monde. À tout de suite, peut-être. À tout de suite, peut-être. Ce peut-être a interrogé beaucoup de gens. Vous trouvez sa voix normale, là ? Ah oui, complètement. C'est complètement... Très enjoué. Oui, tout à fait. Normalement enjoué. Voilà, exactement. Le 4 avril... C'est mon frère de tous les jours, sans aucune émotion extraordinaire. Oui, je le retrouve complètement. Le lendemain, le 4 oui. avril, vous l'aurez en ligne. C'est la dernière fois que vous lui parlerez ? Exactement. Qu'est-ce qu'il vous dit ? Alors c'est loin, je ne m'en rappelle pas avec précision, mais c'est des choses de tous les jours. Est-ce que tout va bien? Est-ce que maman va bien? Enfin, des choses gentilles. Alors certainement, il a dû me parler du dossier de... Comme mon père était décédé en janvier, c'était lui qui suivait tout ce qui concernait mon père. Il me faisait une passation. Donc certainement, il a dû me parler de ses dossiers par rapport à la retraite que ma mère allait toucher, etc. Mais vous ne le trouvez pas étrange à ce moment-là? Non, vous ne le trouvez pas étrange? Pas du tout, du tout. Ou le truc du téléphone de la veille, peut-être? Oui, voilà, exactement. Parce que, ouais, certainement, merci. Parce que comme, en fait, j'avais mis mon téléphone en silencieux, ce que je faisais jamais, mais comme Bertram était à Versailles avec moi, j'attendais rien de spécial. Et effectivement, à ce moment-là, il m'a dit, bon, ben voilà, je t'appelais pour X raisons. Et vous appelez tous les jours, d'habitude, toujours ? Non, on communiquait plus par SMS, par MMS, par mail, quoi. Et depuis, il ne vous a plus jamais recontacté, ni par SMS, Non, rien du tout, vraiment. Aucun message, rien. Rien. Moi, j'ai essayé d'en envoyer, pas après avoir reçu sa lettre, sa fameuse lettre, mais dans la semaine entre le 3 et le 10, oui, mais je n'ai pas eu de réponse. Sur son téléphone, par mail, vous avez envoyé quoi Oui, moi, j'utilisais tout le temps mon téléphone. On en vient donc à votre thèse. Vous avez épluché l'intégralité du dossier d'enquête, des milliers de pages, ça c'est très clair quand on lit votre livre. Et donc, votre thèse, c'est que tout ça est une mise en scène, la mise en scène d'un drame familial pour couvrir une autre vérité. Quelle est l'autre vérité qui n'est pas dite, selon vous ? Que vous dites ? Que vous supputez ? Oui, que nous supputons. En fait, dans cette lettre, Xavier me dit clairement que, grosso modo, il fait du renseignement depuis X années. Chose qu'à la base, je ne peux pas vérifier, mais qui me parle. Parce qu'en fait, depuis des années, j'avais vraiment des interrogations sur certaines petites choses qui juraient, on va dire, dans sa vie, que je ne m'expliquais pas. Donc, je donne, bien sûr, dans le livre des exemples, des détails. Et, je pense, comme tout le monde, en lisant « Coucou tout le monde, nous sommes tous partis ». Vous allez lire, en fait, une partie de la lettre que votre frère… Alors, je ne la sais pas par cœur, il vaut mieux me la donner. Voilà, que votre frère vous envoie, donc… Merci. Oui. Eh ben bon, une lettre que vous recevez le 11 avril, je précise, après la mort. Hein. Et qui fait 5 ou 6 pages, mais voilà, là c'est un... Et dont vous n'avez pas osé parler, par crainte de... Oui. De... Je ne sais pas, parce que c'est vrai que j'étais quand même un peu assommée, il faut reconnaître. Et donc j'étais assez prudente et peut-être à l'excès, j'aurais peut-être dû parler à Bertram. Mais enfin, ça n'arrive pas tous les jours, La police vous a certainement entendu dans les 24 heures de la découverte du drame. Oui, absolument, le lendemain même. Et là, vous leur en avez pas parlé? Ah si, si, là je leur ai sorti. Ah d'accord. Mais en fait, ils l'avaient déjà, c'est toute une histoire. Comme ça on comprend mieux. Il y a toute une... D'accord. Voilà. Alors, coucou tout le monde. Méga surprise, nous sommes partis en urgence aux USA dans des conditions très particulières que nous vous expliquons ci-dessous. Vous recevez ce courrier par la voie postale classique car nous n'avons plus la possibilité de communiquer autrement, ni mail, ni SMS, ni téléphone, et ce pendant quelques années pour des raisons de sécurité. Au moment où vous lisez cette lettre, nous ne sommes plus en France et ne pourrons y revenir pendant un temps encore indéterminé, quelques années entre parenthèses. Etc. Départ précipité et soudain, en grand secret, sans avoir pu tout régler. Plus de contact avec vous tous pendant un certain temps, long. Le plus dur, certaines tensions avec les enfants qui ne peuvent avertir leurs amis et qui ont interdiction de Facebook et autres réseaux Internet. Mais bon, ça se passe plutôt bien dans l'ensemble, ils comprennent.
Qu'est-ce que vous pensez, une fois que vous lisez cette lettre, et à l'issue de cette enquête, quelle est votre thèse, vous ? Alors, quand je pour la être lis... très... Oui, allez-y. Oui. Au tout début, je pense que j'ai la réaction... Alors, je ne me prononce pas pour les autres destinataires de la lettre, parce que nous étions quand même une petite dizaine, on va dire. Mais personnellement, j'ai la pensée d'un drame familial. Parce que c'est coucou tout le monde. C'est son écriture, évidemment. C'est une lettre, enfin c'est un mail qu'il a imprimé, grosso modo. Voilà, c'est donc tapé à l'ordinateur. Coucou tout le monde, méga surprise, nous sommes tous partis en urgence aux USA. Là, j'ai la pensée d'un drame familial. Ça me traverse l'esprit. Je me dis, mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Mais comme je lis la suite, les explications où il précise qu'il fait du renseignement, pour le dire de façon simple, et que ces explications éclairent toutes les interrogations que j'avais, mais même certaines inconscientes, en fait. Genre automatiquement... Bah, un exemple, juste. Un exemple, c'est que mon frère n'a jamais eu beaucoup de bagouilles, il n'a jamais aimé beaucoup... il était représentant alors qu'il n'aimait pas démarcher. Donc, ça faisait partie des choses étranges, ou bien... Il y a plein de choses étranges, vous le dites d'ailleurs dans le livre. Vous dites, n'ai jamais vraiment connu et compris mon frère. J'ai toujours senti qu'il y avait quelque chose de double chez lui. Alors... Justement, mais en positif, en fait. Il y a un certain Xavier que j'ai connu dans mon enfance et mon adolescence. Effectivement, il y a des éléments que je ne m'explique pas dans sa vie par la suite, que cette lettre vient éclairer. Et là, je retrouve mon Xavier de toujours, en fait. Je me dis, ah, effectivement, il avait en fait une double casquette. Il avait des responsabilités que j'ignorais et qui ont conditionné des choix de vie étranges, comme avoir deux chiens quand on a quatre enfants et qu'on a du mal à boucler les fins de mois. C'est un peu incohérent quand même. Donc là, je me dis, ah, mais peut-être qu'en fait, ils étaient inquiets. Peut-être qu'Agnès avait envie d'avoir des chiens. Enfin, vous voyez, donc, des vous le croyez. Donc, vous le croyez, vous croyez qu'il est parti. Oui, je le crois. Qu'il est parti avec sa famille. Voilà. Dès la troisième ligne, je le crois. Aux États-Unis ou quelque part, en tout cas, se cacher avec sa famille. C'est ce que vous croyez. Donc, pardon de vous poser la question très clairement. Les cinq corps qui sont retrouvés enterrés dans le jardin, pour vous, c'est les corps de qui ? Alors, justement, je me dis, bon, on commence à nous parler d'une disparition. Les choses suivent leur cours. Ça ne vient pas invalider la lettre. Et puis, petit à petit, je me dis, mais en fait, certainement, c'est une mise en scène. Parce que moi, je n'y connais rien au principe d'exfiltration, etc. Je me dis, bon, ben, finalement, puisque je crois quand même à mon frère, je l'ai eu au téléphone tout récemment, il n'avait pas du tout la voix d'un assassin. Enfin, je connais quand même son fonctionnement. Vous savez, dans toutes les histoires, judiciaires, bien sûr, tout le monde tombe des nues. De France, tout le monde dit, oh, mais mon Dieu, il était tellement sabbatique. Oui, c'est vrai. Mais enfin, vous êtes en train de nous expliquer, et c'est ce que vous démontrez dans ce livre-là, en tout cas que vous donnez votre version. Il y a une autre famille qui est morte. C'est une autre famille qui est morte, c'est d'autres enfants qui sont enterrés dans le jardin. Ah, je ne pense pas qu'une autre famille a été tuée à leur place, ça, je ne le pense pas. Qu'est-ce que vous pensez alors? Parce que c'est grave, j'imagine que tous les gens qui regardent ça à la télévision ce soir se disent, mais qu'est-ce qu'elle dit, cette femme, puisque les corps ont été authentifiés, puisqu'il y a eu des analyses ADN qui disent que c'est Agnès et les quatre enfants. Donc il y aurait quoi? Il y aurait des gens qui ont menti dans la police? Qui auraient participé à ce scénario? C'est... Oui, vous le dites, oui. Oui, je le dis clairement, parce que sinon, ça serait absurde. Enfin, je me contredirais moi-même. Donc, effectivement, néanmoins, il y a tout un raisonnement, bien sûr. Il y a d'autres éléments que je ne peux pas donner ici, parce que le livre a quand même une certaine épaisseur. Il faut vraiment se reporter au livre pour pouvoir avoir la thèse Donc, vraiment dans son selon ensemble. Selon vous, si je poursuis... ce que vous pensez, ce que vous expliquez dans ce livre-là, il y a une mise en scène, et il y a donc des policiers qui sont complices, peut-être la morgue aussi, on est complice, on cherche cinq corps. La police scientifique. Et on enterre dans le jardin. Complice d'une exfiltration, dans ce cas-là, c'est pas complice. Oui, complice d'une exfiltration parce qu'il fait du renseignement aux États-Unis. Voilà. Vous comprenez que là, les gens qui vont vous écouter, ils vont dire, mais... Complice aussi, quand même, mais de la mort de ces gens. Je le comprends très bien que l'on puisse trouver ça totalement farfelu. Mais finalement, c'est une hypothèse qui a été balayée, parce que j'en ai déjà parlé à travers un blog. Elle est balayée, mais en fait, les arguments qu'on m'oppose n'ont pas tant de poids que cela. Parce qu'on me dit, ah ben non, on a interrogé les renseignements, ils nous ont dit qu'ils n'en faisaient pas partie. Ben, je pense qu'ils ne peuvent pas faire une autre réponse, en fait. Mais dans la fuite, quand on le voit fuir, quand vous dites, je le reconnais en train de retirer de l'argent une semaine après, dans le sud de la France, il est seul. Oui, il est seul, mais alors où sont les enfants ? C'est une fuite. Ah, mais les enfants ont pu partir indépendamment, puisqu'on les voit, ils disparaissent des radars dans la fameuse Donc, semaine. Donc, dans votre tête de tante, pardonnez-moi, ce sont vos quatre... neveu et nièce, oui. Ils sont vivants quelque part.
Je ne l'exclus pas. Alors, bien évidemment, je ne prétends pas tout comprendre, tout connaître. Il y aura toujours des zones d'ombre jusqu'à ce que Xavier nous dise tout ce qui s'est passé, mais c'est très improbable. Mais puisse peut-être vous dire. Voilà. Mais bien sûr, je n'ai pas cette prétention et je n'impose rien à personne. J'expose mes vues. Tout vous dites par exemple que paraître, mais quand, quand il était jeune, pour vous, c'est impossible qu'il ait pu faire ça, parce que par exemple, un ami chasseur a offert un jour à Geneviève un faisan non plumé qu'elle a mis dans le frigo pour le préparer le lendemain. Et ébloui par l'oiseau, Xavier, encore petit garçon, donc Geneviève, c'est sa maman. C'est notre maman, oui. Oui, votre maman, bien sûr, avec l'intention là. Et donc, il était petit garçon, il s'émeut, et puis finalement, bon, bah, il va se coucher. Et lorsque votre mère passe le voir pour s'assurer que tout va bien, il faisait dodo avec le faisan. Voilà, mais j'en fais pas un argument, quand même. Non. Je ne fais pas un argument en faveur de son innocence. Parce que mon père était chasseur, je vous jure, j'ai jamais dormi avec un faisan. C'est dommage. Je ne sais pas. Non, mais sérieusement, vous en parlez, pourquoi vous racontez cette petite anecdote ? Ce sont des anecdotes du passé, de son enfance, après là je n'étais pas née je pense, mais de notre connivence, enfin voilà, il fallait quand même que je dresse un peu un portrait de Xavier, de sa sensibilité, de sa générosité. C'est ça que vous voulez ? Vous voulez en fait montrer une belle image de votre frère ? Son vrai visage. Moi je lis ça, je lis une sœur qui est éplorée par le fait que c'est l'homme le plus recherché, considéré par la plupart des Français comme l'assassin. Alors pour l'instant, il est assassin présumé, bien sûr, parce que l'enquête n'a pas été close. Par défaut. Et qui essaye de blanchir un peu son frère. Oui, de restaurer, je pense, c'est important, son vrai visage. Vous pensez qu'il peut être où ? Je n'en sais strictement rien. Non, mais au fond de vous. Au fond de moi, s'il dit qu'il est aux États-Unis, je pense qu'il n'y est pas. Enfin, je... Mais pour vous, vous avez l'intime conviction qu'il est vivant. Oui, je pense qu'il est vivant. Après, tout Mais vous pensez qu'il est en France ou qu'il est à l'étranger ? Parce que tout a écrit-cri qu'il serait dans un monastère. Non, je ne pense vraiment pas. Je ne vois pas du tout mon frère. Il est vivant, il est à l'étranger. J'en ai aucune idée où il se trouve, mais il n'est certainement pas dans un monastère. La thèse du suicide, vous l'écartez l'un et l'autre ? Ah, je pense pas non plus. En fait, on n'a aucune raison de le croire suicidé. Pourquoi ? Pourquoi quand on a tué sa famille, dans l'hypothèse ? Bien sûr, selon la version officielle, on peut l'envisager. Mais je ne suis pas sur cette ligne-là. Vous ne croyez pas la version officielle. Je ne suis pas sur cette ligne-là. Je vais vous opposer des arguments. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'éléments à charge. Oui. Et ce que vous dites est grave. Donc il est important aussi qu'on se rappelle ce qui est à charge contre lui. Parce qu'aujourd'hui, c'est un assassinat avec préméditation. Il n'y a qu'un seul suspect, c'est votre frère, qui est le suspect numéro un et qui est l'homme le plus recherché de France. Et il y a des éléments. Mais d'abord, Paul de Saint-Cernin. Vous qui êtes sa sœur, qui avait grandi avec lui, est-ce que déjà tout petit, il était très fort à cache-cache ? Alors, ce qui est grave, vous avez raison, c'est tout ça. Et ce qui est grave, en gros, c'est qu'il y a la thèse totalement complotiste qui soit mise en avant, qui serait que les États-Unis et les Français et un certain nombre de Français, à peu près dans tous les niveaux médicaux, police, scientifiques, enquêteurs, etc., toutes ces centaines de personnes, gendarmes, toutes ces centaines, voire milliers de personnes qui sont sur l'affaire de Ligonnès, travaillent pour rien depuis toutes ces années, et tout le monde se fiche d'eux en disant... Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, bien sûr. Et ça vous paraît plausible ? Bien sûr. Non, ça ne paraît pas forcément plausible à 100%, mais je peux envisager que quelques personnes, pour les besoins de la cause... Si vraiment il est dans les renseignements, pour les besoins de son exfiltration, coopère, je ne l'exclus pas. Je ne pense pas qu'il y ait eu besoin d'impliquer beaucoup de personnes. Il n'y a pas énormément besoin. Non, tous ceux qui enquêtent. Sur la scène de crime, les enquêteurs, les gens qui ramèneraient des corps. Ceux qui prennent les échantillons pour les analyses, oui, certainement. Pour d'autres choses comme ça, qui permettent l'identification. Mais pour ceux qui ont fait l'enquête, non. Mais la police scientifique qui dit que c'est l'ADN d'Agnès et des enfants. Mais pas le reste. Mais tous les policiers de France et de Navarre, quand même. Mais ils mentent. Ah non, ils quand pas, ils disent c'est les corps d'Agnès, d'Anne, de Thomas et des deux autres. Vous parlez d'une fiche Interpol étrange, parce qu'une fiche Interpol, quand quelqu'un est recherché dans le monde, si Léa demain commet l'irréparable et qu'elle va se cacher quelque part, il y aura une fiche avec sa photo, sa jolie tête, sa jolie veste, et elle sera présentée sur une fiche Interpol, comme les 7300 genre qui existent aujourd'hui. Et vous, vous dites que lui, il n'en a pas. Que la sienne n'est pas normale. Elle n'existe pas, tout simplement. C'est quand même assez interpellant. Interpellant même. Interpellant. Ouais. Non mais sérieusement, elle n'existe pas. Non, ça paraît pas possible. Il n'y a pas de notice Interpol rouge à son nom.
il n'y en a pas. Par contre, il a eu au tout début de l'enquête, il y a une notice Interpol bleue qui, elle, n'est pas publiée. Donc là, celle-ci, elle doit être sur le site, effectivement. Mais nous, en tant que public, on ne peut pas la retrouver. En tout cas, votre avocat, Maître Stéphane Goldenstein, qui vous suit depuis le début, il fait une préface. Dans la préface, il dit très clairement, Christine de Verdun et son époux livrent dans cet ouvrage leur vérité. Il ne dit pas, c'est la vérité. Même lui, il ne sait pas si ce que vous dites est vrai, c'est votre thèse. Alors, les éléments à charge contre votre frère, pardon de vous les rappeler. D'abord, dans les jours précédents, il a acheté une boîte de munitions, 22 longs rifles et un silencieux, des sacs de ciment, des sacs à gravats, une houe et une bêche, 4 sacs de chaux vives. Quand il achète tout ça, quelques jours avant la disparition, ça ne vous interroge pas, ça ne vous met pas le doute quand même? Alors, de toute façon, sur le moment, je ne l'ai pas su. Maintenant, effectivement, en étudiant le dossier d'instruction, je l'ai su comme beaucoup de Français. En fait, ce qui est très intriguant, c'est qu'on peut retourner la question. S'il a tué toute sa famille, pourquoi le fait-il tous ses achats avec sa carte bancaire? C'est quand même pas très malin, c'est quand même très facile à... Donc, voilà. C'est le fait même qu'il a acheté de la chauve-vive qui a envoyé les policiers sonder sous la terrasse. C'est à cause de cela qu'ils ont été voir là-dessous. D'accord, mais pourquoi il l'a acheté, la chauve-vive? Alors, ce paradoxe, nous essayons justement de le résoudre. Et votre avis, c'est quoi? C'est qu'il jouait son rôle. Il jouait le rôle de suspect. Ouais. Autre question, je vous interroge aussi s'il n'a rien fait. Pourquoi ce fameux dîner? Vous en parlez dans le livre. Le dîner 15 jours avant les faits, où il dîne chez votre sœur Véronique, qui a un fils qui est chasseur, qui est très bon chasseur. Et alors que vous racontez vous-même que globalement, il s'est jamais intéressé à la chasse, il passe, dites-vous, le dîner à poser des tonnes de questions à son neveu. Comment on tue, comment on cache un corps, etc. Il veut tout savoir, les armes, etc. Vous écrivez, là, je cite votre livre, « Xavier est invité à dîner chez des neveux. Au cours de cette soirée, il marque les esprits en posant des questions précises aux chasseurs. Alors qu'il ne s'était jamais intéressé à la chasse auparavant, cette fois-ci, il veut tout savoir. » Pourquoi il veut tout savoir 15 jours avant le drame, sur comment on tue ou comment on cache un corps? Là encore, je pense qu'il veut marquer les esprits, effectivement, et il veut qu'on se souvienne de cette conversation et qu'on réfléchisse et que sa famille réfléchisse après sur le pourquoi de ces questions. Le fait qu'il ait posé ces questions, ça n'a, enfin, techniquement, sur ce qu'il aurait fait, sur ce dont on l'accuse, ça ne lui aurait pas servi vraiment. Par contre, sa famille s'en souvient bien, et je pense que c'est ça ce qu'il voulait. Mais vous n'avez pas peur qu'on se dise ils sont dans une thèse complotiste extrême? C'est-à-dire la bonne version serait, bon, elle est éplorée, elle est triste, c'est sa sœur, et donc elle essaye de lui sauver son image. L'autre version, c'est qu'ils sont dans un complot délirant, quoi. Ben, on a l'habitude, ça fait quand même 13 ans que ça dure. Hein, oui, mais justement, si j'étais dans le déni... C'est maintenant que vous parlez, c'est la première fois que vous parlez, tous les deux. Donc avec le recul de 13 ans... Et vous n'avez pas changé, vous n'avez jamais douté? Personnellement, non. Personnellement, non. Vous avez cru qu'il n'avait pas tué sa famille, oui, et qu'il est vivant? Mais d'une façon rationnelle, parce que je prends les éléments et j'essaye de les insérer dans ma vision des choses. Or, finalement, si on prend cette optique-là, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup moins d'incohérences et de choses absurdes. – Je voudrais quand même revenir, pardon, il y a un troisième élément, parce que moi je connais pas le dossier aussi bien que vous, mais je suis vraiment rentrée, j'ai tout vu, j'ai tout regardé, j'ai tout relu. Il y a cette lettre, 8 mois avant les faits, l'été d'avant le drame, il envoie cette lettre à ses deux meilleurs amis, la même lettre peu ou prou, où il explique qu'il a des problèmes d'argent, parce qu'on va y venir, c'est-à-dire qu'il avait des problèmes, votre frère. Il avait des problèmes d'argent, il avait des problèmes professionnels, il avait des problèmes conjugaux avec sa femme. Et donc, il écrit à ses deux meilleurs amis ce mail-là, en juillet 2010, donc 9 mois avant le drame, la disparition. Il évoque ses problèmes d'argent et voilà ce qu'il leur écrit. « Si ça tourne mal, je n'ai que 2 solutions, me foutre en l'air avec ma voiture ou foutre le feu à la baraque quand tout le monde dort. Je serai fin août, début septembre au pied du mur avec une décision définitive à prendre. » Suicide seul ou suicide collectif? Il a des vrais problèmes d'argent et il leur dit, ma question c'est, est-ce que je me suicide seul ou est-ce que je fais un suicide collectif? Les problèmes d'argent, ils ne sont pas nouveaux. C'est cette lettre qui est nouvelle et cette manière de parler des problèmes d'argent qui est nouvelle. Mais ça ne vous interroge pas, cette lettre, qu'il écrive ça 8 mois avant à ses deux meilleurs amis, à ses amis d'enfance, si, hein, Michel Rétif et Emmanuel Le Tanneur? Bien sûr. Pardon, je t'ai coupé, non. Non. En fait, ce qu'il faut, c'est aller au bout de cette lettre. Parce que ce qui est le plus paradoxal, c'est le PS. C'est un PS ?
Absolument. C'est la fin. C'est la fin. Oui. C'est dans la fin. Je souhaite que jamais on ne laisse mes frères et sœurs, mes parents, mes frères et sœurs, croire que je sois coupable de ces accidents, même si toutes les preuves sont formelles contre moi. 8 mois avant. Mmh. Mais alors, si vous prenez la thèse de la culpabilité, cette n'a aucun sens. C'est un aveu, déjà. Aucun sens. En revanche, Bertram est parvenu à développer une certaine... Ah, c'est un aveu pour lui, mais c'est pour vous innocenter. Oui, mais en fait, à partir du moment où il y a un drame familial, on a accès à tout ça. Enfin, c'était un peu prévisible que nous, on se constitue partie civile. Donc, on aurait accès à ce mail, on se serait dit, mais c'est complètement absurde, donc on n'y aurait pas cru. Enfin, si Xavier est coupable, cette lettre n'a aucun sens. Mais pardon, en revanche... Ben, si il veut que ses amis en fassent état à retardement, ils nous disent, ben, voilà, en fait, toutes les preuves sont contre lui, mais n'y croyez pas. Alors, il faut voir une chose, c'est qu'au départ, tous les destinataires de sa fameuse lettre y croient. Peut-être... Quoi À ce que Xavier raconte, entre guillemets. Mmh. À ce que Xavier dit. Donc, qu'il fait du renseignement. Il l'envoie à qui? Vous parlez d'une dizaine de personnes à part vous. Il l'a envoyé à qui, cette lettre? Des membres de la famille, la nôtre et celle d'Agnès, et des amis. Des amis nantais et d'autres amis. Et nous, l'écho qu'on en a eu, c'est que tout le monde y a cru. Au début? Connaissant Xavier. Oui, bien sûr, au début. Donc, bien sûr que la découverte des corps vient changer un peu le cours des choses et le raisonnement. Dans des positions étranges. Dans des positions dites religieuses. Non. Une main sur le cœur, une croix, la médaille que portait votre sœur, maman adorée, posée d'une certaine... Enfin, c'est ce que j'ai lu. Non, c'est du pipeau. Ça fait partie des rumeurs qui traînent, mais c'est pas du tout vrai. C'est pas des rumeurs. On a vu la police scientifique montrer une croix, une... Non. Je ne parle pas de ça, je parle des positions pseudo-religieuses. Oui, mais il y avait une croix, un chapelet et une statuette de la Vierge. Alors, Est-ce que le religieux... Premièrement, les positions. J'ai lu, et Christine aussi a lu les procès-verbaux d'exhumation. Non, alors ça, c'est complètement faux, ça, ce mythe de positions pseudo-religieuses, non, il n'y en a pas. Par contre, oui, il y a des objets religieux, et justement, c'est très intéressant de le souligner, ces objets religieux, ils ne sont pas. D'abord, ils sont. Quand on est catholique, on sait à peu près quel objet ira avec telle personne. Là, c'est comme si la personne qui aurait mis ces objets religieux ne connaissait pas la famille. C'est saupoudré, en quelque sorte. C'est pas attribué. Il y a un chapelet masculin qui est avec un corps féminin et vice-versa. C'est des objets qui n'ont pas de valeur en plastique. Donc pour vous, ça étaye encore votre thèse, oui, que c'est exactement. Une mise en scène. Il y a quand même, quand on lit l'affaire, bien sûr qu'on n'a pas, et c'est ça qui est le plus grand mystère, c'est qu'on ne sait pas pourquoi il les aurait tués, puisque la thèse officielle, c'est qu'il les a tués. Il y a quand même des faisceaux d'indices, on connaît un peu l'histoire aujourd'hui, qui montrent un homme qui est acculé, qui montrent un homme qui n'a plus d'argent, qui se bat pour emprunter de l'argent à ses amis, à son père, à tout le monde, à sa maîtresse, il lui prend 50 000 euros, il n'arrive pas à la rembourser. Elle lui envoie les huissiers pour qu'il lui rembourse. C'est un homme qui enchaîne les échecs, ça c'est même ses amis qui le disent, échec professionnel, il n'arrive pas à se trouver, échec financier, échec conjugaux, on a quand même, ça n'allait pas entre Agnès et lui, je ne sais pas, vous allez me dire si vous le saviez, mais clairement, elle se plaignait sur les forums de discussion de sa solitude affective et sexuelle, et elle lui écrit même ce mail qui a été authentifié, tu es un ours qui n'a envie de voir personne, un solitaire qui n'aime pas les gens, tu as à la fois un complexe de supériorité car tu trouves tout le monde con, et un complexe d'infériorité car tu es mal à l'aise avec des gens qui ont de bonnes situations et plein de fric. Tu es mal à l'aise en société et tu as des problèmes avec les femmes. Il avait des problèmes avec les femmes? Il n'allait pas bien dans son couple? Alors, tout ce que vous avez dit, effectivement, on le sait, on le savait, etc. Mais il faut voir aussi les dates. Parce que ce qui est très important, c'est que des problèmes d'argent, effectivement, il y en a eu. Des emprunts, oui. Mais, en fait, Xavier a remboursé tout ce qu'il a pu rembourser. Donc, notamment, Emmanuel Teneur dit lui-même qu'il a été remboursé. Mon père, on a beaucoup dit que Xavier l'avait spolié. Il l'a parfaitement remboursé, mais ça, c'est jamais dit. Donc, ce sont des éléments comme ça que nous mettons dans le dossier, dans le livre. Pardon. Pourquoi il fuit, selon vous? Pourquoi il fuit? La question est là, est-il en fuite? Mais vous pensez quoi? Eh bien, il faudrait qu'on vienne me prouver l'inverse, parce qu'en réalité, le dossier est rempli aussi de choses étranges. Mais pourquoi ils ont dû partir, alors? Ça fait partie des questions, on n'a pas la réponse. S'ils ont dû partir, ils étaient en danger, et on ne souhaite pas le savoir d'ailleurs. Ça ne nous regarde pas d'une certaine manière. Oui, en fait. En tout cas, en 2019, il se passe cette chose qui a d'ailleurs été un fiasco médiatique. Les médias ont fait amende honorable parce qu'ils l'ont annoncé sans conditionnel. Ah, oui.
Vous vous souvenez de Glasgow. S'est arrêté. On a arrêté Xavier de Ligonnès à Glasgow, en Écosse. Cette information qui nous est parvenue il y a quelques instants. Après plus de 8 ans de cavale, c'est donc la fin de l'une des plus mystérieuses énigmes criminelles de ces dernières décennies. Xavier Dupont de Ligonnès a été donc arrêté à Glasgow, soupçonné d'être l'auteur de ce quintuple meurtre survenu à Nantes en 2011, celui de sa femme et de ses 4 enfants. Il vient d'être arrêté à l'aéroport de Glasgow en Écosse. Cela fait 8 ans qu'il était activement recherché. Qu'est-ce que vous pensez à ce moment-là quand vous voyez ça, surtout? Bah, c'était le fameux arrêté du Parisien sans... Voilà, qui... comme d'habitude, on n'a pas, pas la même approche. Alors, vous, vous avez pensé quoi? Moi, je n'étais pas à Versailles, au travail à Brest. Et j'ai consulté mon téléphone assez tard le soir, donc j'ai vu ces nouvelles tard, finalement. Et bien, j'y ai cru. Vous y avez cru, et vous, pas du tout, pas une seconde. Mais pourquoi? Mais on m'aurait dit, tu as un vol de flamant rose dans le jardin, j'y aurais autant cru. Parce que ce n'est pas... Même sans penser ce que je pense donc sur son innocence, se dire qu'il est caché à 45 minutes de chez sa maman, c'est totalement ridicule et impensable. Vous avez aussi voulu faire ce livre, Christine, pour donner votre version des théories qui ont circulé sur vous et sur votre famille et sur votre mère. Parce que Christophe parlait de la religion. Oui. Votre mère Geneviève, on a raconté, ça a été écrit dans le fameux Society qui a été vendu et lu partout, enfin à des centaines de milliers d'exemplaires, que votre mère faisait partie de l'église de Philadelphie, dont Marlène Schiappa, quand elle était ministre au ministère de l'Intérieur, avait demandé une enquête pour savoir, pour dérive sectaire, pour savoir si c'était une secte ou pas. Et selon le magazine Society, votre mère, alors là, ça je vous avoue que votre mère vous aurait désigné, vous Christine, comme celle qui allait porter le sauveur étant une réincarnation de Jésus et de Satan, et pour cela, elle vous aurait offert, jeune, à 29 ans, elle vous aurait offert sexuellement en 1995 à tous les hommes de cette église qui vous engrosseraient pour... Enfin, l'un d'eux. Il valait mieux. Après, voilà. Pour trouver le père... Pour enfanter le sauveur. Ça, Society le prouve. Ils l'écrivent, ils ne sourient pas quand ils l'écrivent, c'est quand même une enquête de 4 ans. Et ce livre-là, vous dites c'est diffamatoire et c'est pas vrai, c'est ça ? Mais oui, bien sûr, parce que nous, de notre place, nous sommes quand même assez bien placés, renseignés pour voir justement. Vous. Oui, mais en fait, ce qui est vrai faux. Ou ce qui. Bien sûr que c'est faux. Vous avez porté plainte pour diffamation ? Je ne vais pas passer mon temps à porter plainte pour tout. Ah, quand même, on raconte de vous, pardonnez-moi, on raconte de vous que vous avez été offert à une assemblée d'hommes. Mais bon, on en le nombre de romans, romans, de bouquins qui sont sortis avec ces conneries-là. Okay. Et moi, ce qui me choque beaucoup plus, c'est qu'on prétende que j'ai donné, que nous ayons donné le dossier Emmanuel Teneur, mais déjà, ça prouve que Society ne sait pas ce que c'est que le dossier. Ce sont des chemises cartonnées avec sangles, hautes comme ça, et il y en a une dizaine. Et Society précise que lui ayant passé, Le dossier est caché derrière son poêle et que la police qui perquisitionne chez lui ne voit rien. Donc on est dans le roman. Ah, reconnaissez quand même que votre mère a écrit des textes qui sont compliqués, c'est-à-dire elle a des visions. Quoi. Non, elle n'a aucune vision. Non, elle n'a aucune vision. Nous sommes catholiques pratiquants et dans le catholicisme, il existe la révélation privée, c'est-à-dire que une personne peut effectivement avoir des messages ou des visions ou autre chose, mais ce n'est pas son cas. Donc ça, c'est totalement répertorié dans le catholicisme. Donc de là à faire de ma mère un gourou d'une secte, etc., et moi, parce qu'il a été dit aussi que j'étais son successeur ou quelque chose comme ça, enfin bon, c'est faux, tout ça. A été dit. Mais bien sûr, c'est faux. Mmh. Tout a été dit. Vous n'êtes pas partie de cette fameuse église. Mais elle n'existe pas. En fait, il n'y a pas d'église de Philadelphie. Et... Est-ce qu'on peut vivre normalement quand on a le nom du pont Ligonnès? Disons, dans les premiers temps après l'affaire, ce n'est pas évident. Après, on a aussi décidé d'avoir notre propre vie, de ne pas se laisser impacter durablement. Alors, effectivement, on est revenu. Enfin, surtout, Bertram a beaucoup travaillé sur le sujet. Moi, j'ai eu toutes mes certitudes très vite. Et effectivement, on a une tranche de vie assez tranquille. Et on a vraiment décidé de redescendre dans l'arène pour apporter... Donc, un complément d'information que le grand public n'a pas. Il faut quand même lire le livre parce mais bien sûr, mais c'est pour ça que vous avez interrogé sur plein de choses, mais qui sont pas dans le livre, qui sont dans d'autres magazines. Et je pense que c'est, enfin, il faut. Je vous ai aussi beaucoup parlé du livre. Oui, bien sûr. Je vous ai parlé du livre. Croyez-moi, on l'a lu de bout en bout. Pourquoi vous le sortez aujourd'hui ce livre? Parce qu'on arrive aux 13 ans de l'affaire
Il y a des choses qu'on veut vraiment rectifier dans le livre pour aller contre toutes ces rumeurs qui sont... Mais même le dossier d'instruction, ça c'est toi, c'est plus ton domaine. Parce que moi, bon, je l'ai vraiment étudié, ça va, enfin, je me suis fait une opinion. Mais en fait, vous avez une conviction depuis le début et votre mari a bossé. Au contraire, il a épluché voilà. toutes les pièces. Lui, il a tout pris. Au début, vous n'étiez pas forcément sur la ligne de votre femme. Ah non, et ensuite, en épluchant le dossier d'instruction, vous y avez cru. Moi, effectivement, au début, quand j'étais au Yémen, j'ai cru que vous aviez coupable. Ensuite, Christine m'a montré la lettre. Ça m'a paru plausible. Et puis, je n'ai cessé d'avoir des doutes, malgré tout, parce que, c'est, comme vous l'avez dit, ça paraît invraisemblable. Mais vous le dites vous-même, hein, écrivez vous-même dans le livre, avec quand même beaucoup d'éléments à charge, il faut le reconnaître. S'il était vivant... Et s'il vous regardait ce soir, vous avez envie de lui dire quoi, Il nous regarde depuis son appart de Montpellier. Oh putain, merde. Il m'a dit de pas... Vous avez envie de lui dire quoi, votre frère? Qu'est-ce que je voudrais dire à mon frère? Si vous regardez, ce qu'il sait déjà, c'est que nous n'avons pas changé de regard sur lui. Mais pas pour une raison d'aveuglement fraternel ou familial, parce que nous avons pris le risque d'aller dans le dossier d'instruction. En fait, en se constituant partie civile, on a pris le risque de recevoir une porte dans la figure. Convenez-en. Donc, le fait d'avoir été vraiment au bout des choses... Ce que vous lui dites ce soir, c'est on te croit, voilà, on pense pas que tu as tué ta famille. Parfaitement. Ils ne sont pas morts, même. On n'a pas changé d'opinion. Et qu'ils ne sont pas morts, donc. C'est ça, surtout. Si on lui parle, c'est qu'il n'est pas mort. Non. Ils ne sont pas morts. Mais nous ne sommes pas les seuls, parce que j'avais fait un blog... Non, mais ce n'est pas que lui qui est vivant. Oui. C'est ça. Et nous avions reçu des messages de ses amis nous disant tu as bien exprimé ce que nous aussi nous pensons et nous croyons, non seulement qu'il n'a pas tué sa famille, mais qu'ils sont tous vivants. Si un jour ils vous ont envoyé un signe, est-ce que vous appelleriez la police ou non? Est-ce que je serais logique si j'appelais la police? Ben non, c'est pour ça que je vous pose la question. Après, pourquoi pas? Parce que finalement, s'il n'y a rien du tout, on a tout intérêt à aller au fond des choses, pourquoi pas? Donc vous ne nous direz pas, là, ce soir, si vous avez reçu un signe ces 13 dernières années. Alors là, je vous tranquillise, je n'ai strictement jamais rien reçu depuis 13 ans. Donc mais enfin, il me connaît, il sait aussi que je parle. Et quel rapport vous aviez avec ses enfants? Quel rapport j'avais? Oui, comme bah, tant, proche, pas proche, moyen proche. Des relations cordiales. C'est tout, affectueuses, oui, bien sûr. Non, parce qu'il y a des enfants qui sont très proches de leur tante, je veux dire. Oui, mais enfin, bon, ils étaient à Nantes, j'étais à Versailles, on ne se voyait pas non plus très, très couramment. Mais j'ai quand même, je le dis dans le livre, je suis allée aider Agnès au moment des naissances. Donc, j'ai passé plusieurs fois... Et avec Agnès, Des relations très cordiales, oui, oui. Je raconte un peu tous mes souvenirs. Et vous continuez d'échanger avec sa famille, à elle? En fait, je n'ai jamais eu vraiment de contact avec sa famille. Je connais deux de ses frères, mais je n'ai pas été spécialement proche, donc non. La contre-enquête exclusive de la sœur de Xavier Dupont-Ligonnès avec son mari Bertram de Verdun. Xavier, mon frère présumé innocent. C'est aux éditions HarperCollins. Je pense que ce livre va susciter de l'intérêt. Je rappelle quand même, parce que c'est ainsi que le cas est maintenant, c'est une cold case. Il est dans le département des cold cases, c'est-à-dire les affaires qui ne sont pas élucidées, et que votre frère reste, aux yeux des enquêteurs, aux yeux de tous ceux qui sont intéressés à l'affaire, à part vous, le suspect numéro un. Et que l'enquête continue, c'est ça. Et qu'il y a eu assassinat avec préméditation d'une mère de famille et de ses 4 enfants. Voilà, je tiens à le redire. Et si c'est vous qui avez raison, on le dira bien entendu. Bien entendu. Merci en tout cas à tous les deux d'avoir accepté de nous parler ce soir. Merci infiniment. Merci beaucoup. Au revoir. On accueille tout de suite le chef étoilé, le plus populaire de France, la danseuse étoile la plus illustre de France, le chanteur le plus chouette de France, la journaliste la plus américaine de France, l'homme le plus fort de France, Philippe Etchebest, Marie-Claude Pietragala, Patrick Fiori, Isabelle et Aurélien Lejeune. In the middle of the club, with the no love for the haters, man, cause I got 4 seats at the Lakers, see me on the 50-yard line with the Raiders, that I think he told me I'm the greatest, I got the fever for the cover of a
crowd, please up. DJ, play another from the prison they show high heads. Only way to the best ride my way. South to the west, to the east, to the north. On est ravis de vous recevoir tous, l'homme le plus fort de France, mesdames, messieurs, Christophe de Chavannes. Je suis désolée de vous dire, il y a quand même quelque chose. Il y a quand même quelque chose. La coupe de cheveux, la barbe. C'est ce qu'on s'est dit dans ah non, dans mais la nous, loge, ça fait une semaine qu'on fait les... Enfin, vous avez... on s'est dit, c'est pas possible, on va l'inviter le soir d'être chebeste. Parce que c'est... Je pense qu'on mange bien tous les deux. Ouais, il a plus de bites que moi, je pense aussi. Oui. Non, un peu. On se rassure comme on peut. Hein. Bon, on va voir vos exploits tout à l'heure. C'est hallucinant. C'est-à-dire qu'il tire un camion... à la force de ses propres bras, vous renversez des voitures, vous portez des hummers, enfin c'est de la folie. On va voir ça tout à l'heure. Même moi, ça m'a absolument passionné. Puis votre régime alimentaire, bref, ça c'est pour tout à l'heure. Mais d'abord, on peut éviter les plans à deux, s'il vous plaît. Passer la soirée comme ça. Ça vous met mal, hein? Ne me cherche pas non plus. Il est fort, hein, lui aussi. Il a soulevé un verre. Plein de trucs. Un bon début. Les paupières, le matin, les paupières. Ah oui. Patrick, vous avez des origines arméniennes comme moi. Vous êtes corse, moi j'ai passion corse. On a plein de choses en commun. Je crois. Et c'est la première fois qu'on se rencontre. Mais oui, il faut toujours une première fois. Mais comment c'est possible? C'est possible parce que vous aviez beaucoup de choses à faire. Et bah puis, oui, sans et doute. Puis moi aussi. Et puis la vie fait qu'il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. On voilà. Avait rendez-vous. Et c'est ce soir le rendez-vous. Et tout à l'heure, vous avez parlé de Patrick, vous avez dit plein de trucs. Ouais. Et moi j'aurais rajouté quoi? Extrêmement sympathique. C'est un garçon délicieux. Voilà, c'est vrai. C'est pas le cas de tout le monde. C'est pas le cas de tout le monde. Et c'est une soirée un peu corse, hein. Le thème, oui, c'est que... Je vous appelle Marie-Claude Pietra Gala ou je vous appelle Pietra? Pietra. Je sais que vous préférez Pietra. C'est joli, Pietra. C'est tout le monde vous appelle Pietra? Tout le monde m'appelle Pietra. Même votre fille vous appelle Pietra? Oui, tout le monde. Ah ouais. Tout le monde. Ouais. Sauf ma maman qui m'appelait Marie-Claude, mais tous les amis, tout le monde, les danseurs, tout le monde. Depuis très 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 longtemps. Vous êtes la danseuse préférée des Français et on est au lendemain de la journée des femmes et il faut dire que vous êtes époustouflante de puissance dans Gisèle, votre nouveau spectacle qu'on va voir tout à l'heure, on va voir des extraits tout à l'heure, mais c'est vrai que voilà, c'est bouleversant ce que vous proposez dans ce spectacle-là. C'est une nouvelle, nouvelle relecture de Gisèle. Je me sert du Gisèle romantique pour l'amener sur un Gisèle beaucoup plus contemporain et avec des préoccupations féminines. Dans les combats féminins. Ouais. Mélissa Bell, vous êtes la correspondante de CNN à Paris. On va parler avec vous. On va parler avec vous et avec le fan numéro 1 de Trump en France. Je vais vous présenter cet homme qui s'appelle Nicolas Canquer qui va venir tout à l'heure. Il est persuadé que Trump va gagner et que Trump est un excellent président. Il va vraiment nous... D'un point de vue parisien, c'est vrai que c'est stupéfiant. Vous allez nous expliquer cette fascination qui reste dans une partie de l'Amérique pour Trump. On va revenir sur le Super Tuesday. Et puis, je vais vous demander aussi comment, d'un point de vue américain, on voit ce qui se passe en Europe et les dernières déclarations d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'il le voit quand il dit « on n'exclut pas, notre soutien à l'Ukraine est illimité, on n'exclut pas d'envoyer des troupes au sol, il faut que les alliés se réveillent parce que sinon c'est des lâches ». Comment est-ce que les Américains voient ça? Est-ce qu'ils ont l'impression qu'on va vers la Troisième Guerre mondiale? Oui, je pense que tout le monde était très étonné. Et encore maintenant, on se demande exactement ce qui était derrière. Et si son idée, c'était de bouger un peu les lignes, dire à l'adversaire que les choses n'étaient pas aussi claires qu'il ne le pensait. Ça a marché, puisqu'on a entendu Vladimir Poutine dans menacer. Son State of the Union à lui reprendre un peu les propos d'Emmanuel Macron en repartant sur l'histoire laponienne. On voit ce qui se passe quand le sang étranger est versé sur les terres russes, dont en l'occurrence l'Ukraine fait partie à ses yeux. Donc quelque part, il l'a piqué au vif. Mais les alliés étaient très étonnés. Clairement, c'était une ligne rouge claire pour tout le monde. Vous nous direz comment, en tout cas, on l'a vu du côté de Washington. Ça, ce sera pour tout à l'heure. Mais d'abord, Monsieur Etchebest. Vous êtes l'un de nos plus grands chefs, l'un des plus populaires aussi, chef étoilé, meilleur ouvrier de France. Vous avez deux établissements à Bordeaux, la brasserie Le Quatrième Mur, le restaurant gastronomique Maison Nouvelle, une étoile au Michelin, et vous êtes le roi de la cuisine à la télé depuis 10 ans ? 12.
12 ans, depuis 12 ans, on aime, il y a Top Chef, il y a Cauchemar en cuisine, mais vous incarnez aujourd'hui la cuisine à la télé, on aime vos coups de gueule, vos coups de sang, on aime votre sensibilité à fleur de peau également. Vous êtes classée 10e personnalité préférée des Français dans le dernier classement du JDD. Votre femme, votre fils, ils sont fiers de vous, ils en ont marre de vous voir faire des selfies toute la journée ou qu'on parle de vous, tout ça. Non, je pense qu'ils sont, fiers. Après, je fais attention aux selfies. Enfin, on vit de manière très discrète, en fait, aussi, beaucoup. Et la casquette se baisse facilement quand il se promène. Oui, je regarde souvent. Vous vous planquez dans la rue. Moi, je suis en bécane tout le temps. Je vais d'un point A à un point B. Donc, pour qu'on vous reconnaisse. Ça va. Mais quand on vous demande un selfie, vous le faites ou vous dites non? Oui, je le fais. C'est quoi le secret de votre popularité? À vos yeux. C'est les coups de gueule, c'est... Non, je pense pas. Vous savez... C'est la barbe. Les coups de gueule, c'est un peu une caricature de mon personnage. On m'a cantonné dans ce personnage justement un peu dur qui rentre dedans. Alors, vous savez aussi bien que moi comment fonctionne la télé. Hein, on monte ce qui est fort. Après, il y a autre chose derrière quand même. Je pense qu'il y a de la sensibilité, il y a beaucoup d'empathie parce qu'il y a ce qu'on ne voit pas aussi, ce qui se passe avec les gens. Bah, si on voit votre sensibilité. Ouais, mais enfin, ce qu'on retient, c'est ça en fait. Et là, vous êtes la première à le dire, c'est les coups de gueule. Sensibilité à fleur de peau. Vous l'avez dit aussi, c'est vrai. Notez. Oui, c'est un hypersensible. Et en même temps, la réputation des chefs avant vous, ceux qu'on a pu connaître avant, les générations anciennes même, la réputation du chef, ça a toujours été d'être dur. Alors, c'est la télé, donc c'est une loupe en plus. Oui, tout à fait. Vous voyez ce que je veux dire? Mais la réputation, ça a toujours été, même dans les films comiques, où le chef était représenté par un type, je pense, au grand restaurant. Toujours dur, autoritaire, tout ça. Mais une fois de plus, c'est des caricatures. On extrapole les traits, je veux dire, on grossit les traits. Quand vous étiez commis ou sous-chef ou deuxième chef, vous n'avez jamais eu de chef qui était ferme? Oh, j'en ai eu, mais c'était vraiment dans la limite du raisonnable. Mmh. J'ai pas connu de trucs très... Ah, mais je parle pas de salopard. Hein, Non, franchement. Après, au-delà, la première question que vous posiez, pourquoi? Ben, je sais pas, c'est peut-être justement le naturel et la sincérité, je pense. Je triche pas, je mens pas, et puis j'ai envie de dire, je m'en fous, en vrai. Ben, voyez, c'est voilà. Ça. Paul de Saint-Sernin, vous aimez Philippe Etchebest? Ouais, j'adore le gars, tu sais jamais s'il va casser des œufs ou casser des gueules. Tu peux faire les deux. Léa. C'est le seul cuistot, quand il te dit je vais distribuer des tartes, tu doutes. T'as raison. En tout cas, la nouvelle saison de Top Chef arrive mercredi prochain sur M6. C'est déjà la 15e saison. Ouais. Et pour l'occasion, vous avez fait péter une bonne annonce hollywoodienne. Ouais. Eh oui, on ne se prive de rien. On y va. Pour sa 15e saison, Top Chef vous promet du grand spectacle. Les chefs Philippe Etchebest, Paul Perret et Glenn Vielle vont affronter Hélène Darroze. Là, t'es très mal. Très, très mal. Aux côtés d'Hélène, il y aura Stéphanie Lekelec, doublement étoilée, et Dominique Crène, 3 étoiles. Alors comme ça cette année, t'es les filles contre les garçons? Non, pas vraiment, Glenn. C'est plutôt une affiche entre deux clans impitoyables. 8 étoiles d'un côté, 7 étoiles de l'autre. Oui, mais nous, on a un meilleur way de France dans la bande. Une véritable guerre des étoiles. Une saison où tout peut arriver. C'est qui lui, là? Même un invité mystère. C'est sûr, c'est Stéphane. Je vous promets que c'est pas moi. Mais non. Top Chef. Ah, on se prive de rien. En toute simplicité, Star Wars, tout va bien. C'est du pont de Ligonnès, le gars, il part. C'est vrai. Qui regarde Top Chef autour de la table? Tout le temps? Toute la famille. Patrick, il me l'a dit tout à l'heure. C'est-à-dire, vous ne sortez pas le mercredi soir pour regarder? Non. Ou alors, j'appelle ma mère après, et je lui dis, alors, c'est passé comment? Elle me dit, il a fait ça, il a cuisiné ça. Non, je rigole pas, c'est pas des bêtises. Et puis, on est amoureux, on est tombé amoureux, toute la famille, de ce monsieur, de ce caractère. Pourquoi? Ne dites pas pour ses coups de gueule, parce que c'est un peu pour ses coups de gueule. Parce qu'il est la France. Ah oui, vous avez raison, Patrick. Voilà, avec ses terroirs, avec vos compliments. Merci. Voilà. C'est vrai. Et, compliments.
Et ça, c'est rare, quoi. C'est précieux quand on a. Enfin, il y en a d'autres, hein, mais là, il est là. Mais quand on a la chance de rencontrer un homme comme ça et d'être toujours dans ce partage et dans la transmission, moi, je trouve ça extraordinaire. Et puis surtout, il accompagne aussi la nouvelle génération. Il ne fait pas que ça. Je sais qu'il voit des enfants, je sais qu'il voit des gens, je sais qu'il va dans des endroits où il n'y a pas de caméra. Aussi, et ça, ouais. C'est ce que on sait, donc le circuit est un petit peu fermé, c'est ce que je sais, mais il ne sait pas que je sais ça. Moi, je sais ça de lui, et c'est pour ça vous que vous avez fait votre enquête. Non, c'est pour ça qu'on l'aime encore plus. On l'aime encore plus pour ça aussi. L'enquête cache la contre-enquête de Patrick Fiori. Et il va au charbon. Il va au charbon, et notamment, évidemment, pendant la crise de la Covid, enfin pendant la pandémie, il est allé au charbon, alors que beaucoup, beaucoup de ses petits camarades, très bien installés, hautement installé, avec des grands, personne ne bougeait, et lui, il est allé au charbon, non seulement pour les restaurateurs de son niveau, mais aussi pour les petites pizzerias locales. C'est quoi. Ça. C'est vrai, vous êtes allé au charbon, je vous avais invité notamment dans une émission politique où vous aviez donné, en plein Covid, vous aviez posé des questions assez vives, d'ailleurs, à Bruno Le Maire à l'époque. Vous avez tellement pris en... représenté la cause des restaurateurs pendant le Covid, qu'il y a même ce qui disait, c'est Jésus-Christ, en fait, pour eux. Oui, enfin bon, après j'étais concerné aussi comme les autres, puis je ne me voyais pas faire être le sauveur de restaurateur dans une émission de télé, puis ne rien faire dans la réalité, quoi. La télé, au début, vous vous en êtes méfié. Vous dites, j'aimais pas ça, la télé, moi, c'était pas mon truc. Oui, puis là, c'est vrai que l'approche au départ, elle me plaisait pas trop, c'était un peu biaiseux. Et moi, j'aime les choses claires. L'approche de ce format. Non, l'approche, non, vous savez, quand vous êtes casté, ils ont casté plusieurs chefs avant de me choisir, donc c'est le discours qui ne me plaisait pas trop, c'est pas net, c'est pas franc, je ne savais pas trop, mais si vous ne savez pas, ça ne m'intéresse pas. Quoi. Enfin, la télé, vous avez commencé très jeune, hein, parce qu'on a trouvé une archive. Ah, mais bien sûr. Ah, bien sûr, trop 1990, facile. Télé Caroline, ben, oui. FR3, et là, vous avez, regardez bien la toque, c'est la toque la plus haute du monde, et il a déjà quelques cheveux. Philippe Etchebest, vous avez préparé quelque chose qui est typique chez les Gitans, c'est des riades, mais voilà. Pas n'importe lesquelles. Voilà, pas n'importe lesquelles, donc ce sont des gambas grillées avec une petite charlotte de légumes dans laquelle il y a une tombée de fenouil. Et j'ai agrémenté ce plat avec une petite sauce au gingembre, justement, la recette de l'amour. Je ne me rappellerai pas les caractéristiques. Oui, Manitas n'en a pas besoin de gingembre, j'ai l'impression qu'il est remonté à lui tout seul. Il n'a pas besoin de support. Non. Vous voyez comme il est tout timide. On va faire celle-là comme photo. Hein. Celle-là, elle est belle, celle-là. C'est concours exploité. Elle est belle. Elle est super. Elle aura 17 ans, 18 ans. Sur l'autre, on vous sent tout timide, tout flippé. Depuis, le style, il a changé. Allô, Patrice, viens ici, là, vite, une assiette enlevée, là. Vite. J'ai un restaurant, mais je sais pas. Alors moi, je dis, qu'est-ce que tu fous dans le restaurant si tu sais pas? Moi, c'est ça qui me fait chier, putain. Qu'on me dise, je sais pas. Je suis là, mais je sais pas. Je sais pas conduire un camion, moi. Je vais pas prendre un 35 tonnes et me balader sur la route parce que je sais pas le faire. Voilà, mais c'est la France, comme dit Patrick Fiori. Il doit être content, son interlocuteur, qu'on le revoie ce soir encore. Un style unique, jamais égalé, mais souvent imité. Il y a plein de parodies qui nous font mourir de rire de vous sur Internet. Mon nom, Philippe Etchebest, meilleur emmerdeur de France. Bonjour, je suis Philippe Etchebest et aujourd'hui je vais à la rencontre de Jérémy, un jeune restaurateur dans le 76 à Fécamp qui est en train de se casser la gueule. Qu'est-ce qu'il y a? On veut se battre? Tu veux te battre? Allez, viens, vas-y, viens. Vas-y, viens. Moi j'en ai rien à faire, il me fait pas peur. Ça peut être quelqu'un de connu, mais si je suis chauve, je sais pas quoi, je me la pète. Bon alors, comment ça se passe ici? Quand un chef leur parle, ils répondent en cœur. J'ai jamais vu ça. Mais c'est dégueulasse! On dirait de la gerbe, limite du dégueulis. Mais putain, mais qu'est-ce que je fous là? Ils déconnent ou quoi? Tu veux un coup de pied dans les rotules? Casse-toi! Vous pouvez me la faire? De quoi? Casse-toi! Casse-toi! Ah, voilà! Ah, casse-toi! Oui, la projection! Ça, c'est... Casse-toi! Ça vous fait marrer les parodies? Ouais, ça me fait rire. C'est très drôle quand même. Ouais. À quel moment vous dormez, Philippe Etchebest? Parce qu'entre vos restos, les émissions télé, le livre, j'ai pas montré le livre. Cuisiner bien accompagné. Et puis le livre, avec il est généreux. Hein. Voilà, avec ma bêtaine mentor. Où vous trouvez le temps de dormir? Alors, il faut savoir déjà une chose, je ne suis pas seul. D'accord. J'ai une épouse qui m'accompagne depuis très longtemps déjà, qui sans elle, bien sûr,
Ben, finalement, on n'aurait pas fait ce qu'on a fait aujourd'hui. Ça, c'est déjà un critère très important. Vous lui devez beaucoup ? Bien sûr, bien sûr. Y compris le premier lancement dans l'hôtellerie, où tout d'un coup, c'est la cata avec ce château acheté, et vous vous lancez dans un truc où vous vous rendez compte que bah, y a rien qui va et qu'il faut tout refaire. Oui, je m'en rappelle très, très bien, mais c'était une super belle aventure. C'était au château des Renards, effectivement. Ouais. C'est notre premier poste à tous les deux, et Dominique commençait. C'était la première fois qu'elle mettait les pieds dans un hôtel-restaurant. Donc voilà, on a vécu plein de choses ensemble, et puis aujourd'hui on s'est construit tous les deux, on est partis vraiment au bas de l'échelle, et voilà, on a fait ce parcours ensemble, et aujourd'hui aussi on a une très belle équipe qui nous suit et qu'on adore. Alors comment devenir Philippe Etchebest? C'est notre interview Masterchef. Cher Philippe, pour devenir un Masterchef, est-ce qu'il faut être le meilleur au fourneau ou il faut le vouloir le plus? Je crois qu'il faut vouloir. Question de volonté, je pense. Hein. Je mets toujours en avant les valeurs du travail. Elles sont essentielles, de persévérance, d'abnégation et surtout jamais lâcher. Le travail. Est-ce que pour être un masterchef, il faut avoir des idées de génie ou il suffit d'avoir de copier celles des autres? Ah non, je pense qu'il faut avoir des idées de génie. Ouais. Il faut avoir quelque chose. Il faut avoir, pour être un très bon chef, je pense, avoir une personnalité forte et surtout une vraie identité culinaire. Ouais. Après, on peut s'inspirer toujours de ce qui se passe ailleurs, mais il faut garder son âme. Tous les grands, sont, que ce soit en peinture ou en musique, tous les grands se sont toujours inspirés d'eux pour en faire encore quelque chose de différent. Mais... en cuisine, je pense que c'est pareil, sauf quand il y a de temps en temps la trouvaille de ouf. Et le mélange et le mix qui fait que... Je vais vous dire un truc, pardon, mais on a rien inventé, moi j'ai rien inventé, hein. On s'inspire de la cuisine classique, en tout cas moi c'est mes fondations, et à partir de ces fondations, ben, je fais des choses, je les améliore, je les fais évoluer, mais je me sers d'une base qui existe déjà. Est-ce qu'il faut, pour être un super chef, avoir plus de chance, plus de culot, ou juste travailler plus? Moi, j'ai envie de dire travailler plus, mais parfois, il faut aussi un peu de chance, parce qu'il y a des gens qui travaillent beaucoup et qui n'y arrivent pas. Voilà. Est-ce que pour être un super chef, il faut avoir des parents qui ont eu du mal à vous dire « je t'aime » ? Oh, je ne sais pas. Après, je pense que... il faut en tout cas avoir eu une bonne éducation, des bonnes valeurs aussi. C'est ce qu'ont inculqué mes parents. Après, qu'on dise je t'aime ou pas, c'est vrai qu'il y a beaucoup de pudeur parfois, c'est très difficile. Vous dites que vos parents ont eu du mal à dire je t'aime. Oui, forcément. Oui, peut-être. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne s'aime pas non plus, mais peut-être qu'on on l'extériorise un petit peu moins. Ouais. Est-ce que pour être un super chef, il faut être un bon patron et savoir virer quand il faut virer des gens? Alors, il faut être un bon patron pour être un bon chef. Mais un bon patron, c'est quelqu'un qui est aussi à l'écoute. Aujourd'hui, dans mes deux restaurants, Dominique et moi sommes à la tête de 85 collaborateurs, ce qui est pas mal déjà pour deux restaurants. Et il faut savoir dire les choses, il faut savoir aussi beaucoup écouter. Est-ce qu'il faut aimer l'argent pour être un super chef? Est-ce que c'est un moteur? C'est pas forcément un moteur, mais l'argent, ça fait du bien quand même parce que ça permet de faire des choses. Ça permet d'investir, ça permet de progresser, ça permet d'entretenir aussi ces établissements. Nous, on le voit tous les ans, on maintient nos établissements toujours nickel. Ça demande effectivement de gagner un petit peu d'argent pour ça. Il n'y a pas de secret, on ne va pas se mentir. Alors, vous êtes l'un des plus grands chefs de France, ça, je l'ai répété. Vous êtes la plus grande star de la cuisine. C'est bien ça, mais en fait, je ne sais pas si je suis le plus grand, mais... Je n'ai pas dit le plus grand, j'ai dit l'un des plus grands. Clairement. Oui, oui. Bah, on peut le dire. Oui, si vous voulez. En tout cas, un des très bons et probablement, évidemment, le plus médiatisé, mais il y a tellement de chefs exceptionnels. Chef aussi, bien sûr. Du coup, j'ai envie de vous demander, qu'est-ce que vous feriez comme plat pour si vous receviez à dîner différentes personnes? Tiens, par exemple, un dîner d'amoureux avec votre femme, vous lui faites quoi comme plat? Une tarte tatin. Pourquoi? Elle adore? Oui, parce que j'en fais parfois quand on est à la campagne. Je me rappelle une fois, j'en ai fait une, elle n'était pas très réussie, je trouvais, elle a adoré. Elle a dit, c'est la meilleure tarte tatin que j'ai jamais mangée. Ah, elle s'extasie encore sur votre cuisine, c'est parce qu'elle n'était pas réussie. Oui, peut-être aussi. ça s'appelle un cas de sérendipité quand on ne réussit pas un plat, et la tarte tatin est un cas de sérendipité. Ah, oui. C'est une erreur. Oui, c'était une erreur à l'origine. C'est une erreur. Et c'est devenu la tarte tatin aujourd'hui. C'est devenu la tarte tatin, effectivement. Ouais. Si vous invitez Christophe de Chavannes à dîner. Oula. Quoi, oula? Une blanquette de veau. C'est ça que vous lui inspirez, une blanquette de veau. Ouais, mais parce que... mais
c'est un compliment. C'est un compliment parce que c'est un des plats préférés des Français. Et je vais vous dire un truc, c'est le plat le plus regardé sur ma chaîne YouTube, ah ouais. La blanquette de veau. Et je vous invite à le regarder, à la faire, c'est une tuerie. Ouais. Ouais. C'est long, hein. Sinon, il y a ma tante qui fait des pâtes aux langoustes. Non. Pour aussi, Bah, j'irai ça, faire la blanquette de veau. Si, c'est long. Et si moi, je viens dîner chez vous, vous me faites quoi? Alors, pour vous, je vous ferai mon plat signature. Ah. Viol de foie gras, crémeux de champignons. Ah, bravo. Alors, un plat que j'ai créé en 96, qui m'a suivi tout au long de ma carrière et que j'ai fait évoluer à Maison Nouvelle, où j'en ai fait vraiment un plat signature, mais de haute couture. C'est ce qu'on voit là. Je suis sûr que vous apprécieriez. Oui, oui, oui. Ah, c'est une tuerie. Ouais, ouais. Voilà. Rien que la photo, ça, ouais. Oui, j'apprécie déjà. Et si vous deviez faire à manger pour Aurélien, combien de vaches? Eh bien... Il faudrait qu'on aille au salon de l'agriculture déjà. Alors, ça, il y aurait plus dur. Il y aurait qu'à choisir. Et Bonne côte de bœuf, moi. Ah, mais c'est parfait. Je vous accompagne avec plaisir. À Emmanuel Macron, s'il venait dîner chez vous, vous lui feriez quoi? Je lui ferais le plat que j'ai réalisé pour le concours des meilleurs ouvriers de France. Il y a trois plats, il y a une entrée, un plat principal et un dessert. Le plat principal, c'est un canard au sang, foie gras et navet. C'était le thème qui était imposé. Canard au sang, c'est ce qui vous inspire, donc. Ouais. Non, mais navet, c'est joli. C'est pas mal, ça. Ouais, c'est beau, joli, c'est joli. Non, c'est jaloux, c'est très joli. La politique, ça vous intéresse? Pas spécialement, non. Mais il faut s'y intéresser, en tout cas, il faut écouter. Ouais, mais vous pourriez pas en faire. Bon, pff, non. Ça vous intéresse pas? Non, pas vraiment. Et dites-nous, est-ce que comme tout le monde, parfois, un grand chef, quand il rentre chez lui, il se fait un bon plat de pâtes avec du beurre? Carrément. Ah ouais. Bien sûr, avec du fromage. Avec du fromage et du beurre. Vous l'aviez dit. Fromage, mais bien sûr, et trois œufs. Les pâtes avec du fromage et trois œufs sur le plat pour faire fondre le fromage. J'ai la chance d'avoir des poules en Dordogne et on a des œufs extraordinaires. Je peux vous assurer que les pâtes, là, vous les faites comme ça, tac, mettez plein de gruyère dessus ou du Cantal, enfin peu importe, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et les œufs au plat, juste finis là, sortis de la poêle, posés dessus. Ah là là, on a fait, hein, il fait trois gestes. Je vais faire ça ce soir. Ce soir, je fais ça, moi. Oui, vous, les trois œufs au plat, ah ouais, non, le fromage et les pâtes. Et quand tout se mélange, là. C'est peut-être le seul truc que je suis capable de faire, quoi. Un œuf au plat, faire cuire des pâtes. La saison 15 de Top Chef, c'est mercredi prochain à 21h10 sur M6. Le documentaire Un chef au bout du monde sur la Louisiane, c'est lundi à 23h. Et ce livre-là, cuisiner bien accompagné avec ma méthode Mentor. C'est aux éditions Albin Michel. Et c'est pas trop dur, Patrick, je vous l'offrirai. J'ai regardé, il y a des recettes pour les nuls en cuisine, ah, comme voilà. Vous et moi. Voilà, il y a surtout une méthode, c'est ça qui est important. Oui. Il y a une méthode, parce qu'au-delà de... Avant de cuisiner, il faut savoir s'organiser, ranger son frigo, ranger son placard, choisir le bon matériel pour cuisiner dans de bonnes conditions. Il ne faut pas que ce soit une contrainte, la cuisine. Il faut que ça reste un plaisir. Et vraiment, ce livre est complet par rapport à ça. Je vois un peu mon truc, hein, vous permettez. Mais vendez. Mais j'en suis très, très fier. Patrick, vous aimez cuisiner? J'aime bien cuisiner, mais comme j'ai eu beaucoup de femmes dans ma vie, trois sœurs et ma mère, quatre femmes, on a été tranquille pour ça. Qu'est-ce que c'est que cette phrase au lendemain de la journée? Alors, tu es parfaitement dans l'air du temps. Vous êtes tué tout seul, là, mais comment c'est possible? Je ne peux pas me tuer tout seul, puisque quatre femmes à la maison nous interdisaient, à mon père, mon frère et moi, de cuisiner. Ah. Donc c'était mes amours, mes cœurs. Eh oui. Ah. Vous connaissez depuis le temps, non, quand même? C'était, voilà, mes amours. Nous, on savait, donc on voulait, avec mon frère et mon père, on voulait. Mon père partait très tôt, il était déménageur, donc déjà à 5h du matin, il y avait des entrecôtes qui grillaient. Bref, on était tous là à taper un peu dans son assiette. Et voilà, et c'est vrai que les femmes de ma vie, donc mes trois sœurs et ma mère nous ont vite fait comprendre qu'elles allaient cuisiner pour nous. Et voilà, il m'a du coup, c'est resté. Il m'a dit en loge que c'était très chiant, parce que comme elles étaient toutes en cuisine, le ménage était rarement fait, quoi. Et non. Ça tombe mal, ma mère était femme de ménage. Je suis désolé. Mais c'est peut-être aussi pour ça, par cette origine populaire, que les Français vous aiment tellement et que vous êtes tellement sympa. Vous êtes dans notre paysage musical depuis 30 ans, depuis votre quatrième place à l'Eurovision, ah oui, avec Mama Corsica, mais j'avais oublié, comme vous. Ah ouais, mais vous êtes sûr que vous voulez... Non, on ne va pas passer. Ah voilà, on s'est dit... mon avis. Non, on s'est dit que ce n'était pas nécessaire, que vous aviez fait autre chose depuis. C'était en 93. Vous avez sorti un 12e album qui est là, qui vient de sortir, Le Chant et Livre. Vous avez vendu 1 million d'albums avant ça, 3 millions de singles, et vous êtes le chanteur à qui Jean-Jacques Goldman a composé le plus de chansons. Il n'y a que Céline Dion qui vous a plié.
Ah ben c'est, oui, non, mais 22 chansons en 22 ans, ouais, c'est plutôt pas 22 mal. Chansons. Puis il y a des chansons qu'on a fait ensemble, il y a des chansons qu'il a fait tout seul, parce qu'il sait les faire aussi. Et voilà, oui, mais moi, je trouve exceptionnel ce parcours et puis cet homme incroyable qu'il est, quoi. Voilà, c'est vraiment un mec bien. C'est un peu comme mon frère, quoi, enfin, ou mon père, ou enfin, je lui pose des questions et puis souvent, en trois phrases, il a la réponse. Moi, ça peut durer trois quarts d'heure, lui, en trois phrases, il a la réponse. Il vous plie le truc. C'est pragmatique, ça va vite, c'est efficace. C'est rassurant, c'est un homme qui a un supplément d'âme. Voilà. À part Jean-Jacques Goldman, il n'y a pas un artiste, je crois, qui n'a pas, d'une manière ou d'une autre, soit chanté avec vous en duo, soit collaboré avec vous, soit écrit des chansons pour vous, soit pour qui vous avez écrit des chansons. On a fait un mur, regardez-moi ça. Ah oui, Liane Folie, Patricia Cass, Grégory Le Marchal, Jean-Jacques Goldman, Johnny, Vianney, Soprano, Slimane, Jennifer, Florent Pagny, Garou, je ne les cite pas tous, Lara Fabian, Hélène Ségara. Moi, j'aime ces gens. J'aime leur travail, moi, ils me font rêver, je m'éclate. Quand j'ai rencontré Jean-Jacques, j'ai écrit des milliers de lettres, c'est le seul à m'avoir répondu. Florent, je lui ai couru derrière pendant 20 ans parce que j'aime ce mec, j'aime ces gens, j'aime ces voix, j'aime leur parcours, j'aime ce qu'ils proposent, et puis ils nous font rêver, quoi. Vous êtes aussi, cher Patrick, l'homme de la chanson préférée des Français de tous les temps en comédie musicale, mais de tous les temps, écrasante, préférée. Belle. Belle. Laissez grand sur moi qui vous en sorcelle. La demoiselle serait-elle encore plus seule? Quand ces mouvements me font voir mon émerveille, sous son jupon couleur de l'arc-en-ciel. Chanson préférée des Français, tout ça. Enfin, il y a eu plein d'éloges sur cette chanson-là. Mais on ne se rappelle pas combien c'était la folie il y a 25 ans. Vous étiez les Stones avec Garou et Daniel Lavoie. Non, mais il paraît qu'on vous exfiltrait des concerts. Ah non, mais pire que ça. Je ne sais même pas si on peut le dire, mais on était obligé de se balader en ambulance et tout. Parce que... parce qu'en fait, il y avait tellement de monde qui désirait nous voir. Et puis nous aussi, on voulait les voir, mais comme la représentation durait longtemps. Oui. Puis ce qui est génial, c'est ces artistes inoxydables. Oui, c'est vrai. Parce qu'il n'y a rien qui bouge, tout va bien, on se parle, on se voit, et je les aime profondément. Et puis on a réussi à vendre 19 millions d'albums quand même, c'est pas mal. C'est pas mal. Paul. Bravo, vous avez flambé dans Notre-Dame de Paris 20 ans avant elle. Pas mal. Non, mais ça m'a attristé, ça nous mais a attristé. Vous n'avez pas pété les plombs. Pourquoi à ce moment-là, même, ben pourquoi faire, oui, mais ça arrive à d'autres. C'est je comme fais ça. Que de la musique, il y a des gens qui sauvent des vies. Hein. D'accord. Donc, oui, mais d'accord, ça c'est envie de vous dire oui, mais oui. Ça c'est facile à dire, mais il y a des gens qui. Ça leur fait péter les plombs. La quoi, famille. C'est papa, la famille qui maman, vous laisse. La famille, accompagnée, jamais forcée. Ouais, cette envie à chaque fois de faire plaisir à l'enfant que j'étais. Voilà, mon père, ma mère, c'est des gens. C'est des gens adorables. Mon père qui, encore aujourd'hui, peut dépanner le mec sur la route, qui a le pneu crevé. Ma mère qui mène ça à tata parce qu'elle n'a pas bien mangé. Là. Enfin, c'est que ça, quoi. Et moi, j'ai baigné là-dedans. Je suis né dans la générosité. Et on je ne l'ai pas choisi puisqu'ils étaient famille d'accueil, ils étaient tout ça. Donc voilà, je suis ces gens-là. Ce que vous ne dites pas, c'est qu'il est, il est pistonné. Il est pistonné, c'est le fils de Jean-Pierre Castaldi et Muriel Robin. Je présente Jacques et Marie-Antoinette. Un peu. En tout cas, mal, Patrick... Tu vas venir en Corse en vacances? Non, je te préviens, parce que tu sais, il y a un proverbe qui dit « Venez en Corse, vous n'en reviendrez pas, c'est comme le Nord ». En tout cas, c'est vos vrais débuts, c'était il y a presque 40 ans, 1985. Et alors là, je voudrais quand même qu'on observe les fringues. Qu'est-ce qui va se passer? Et le brushing. Pourquoi? Et le brushing. Pourquoi la, vous me faites la ça? Mèche, je la trouve, je ne sais pas comment vous dire. C'est Léon Zitrone, 1985. Ah, oui. Avant The Voice, ah, oui. C'était déjà The Voice. Oui. Ah, les boutons et tout.
tout s'explique. Tout s'explique. Je vais tout vous expliquer. Comme le vent sous l'aile d'un oiseau. Le champion en titre garde ce titre, Patrick Fiori. Ah ben vous avez déjà le pas, un petit peu lent, des personnes arrivées. Bravo, encore un titre et vous serez qualifié pour la grande finale de juin. J'espère. Qu'est-ce que c'est ? J'avais la fièvre, j'avais 40... Là, j'ai 40 degrés. Oui, bien non, sûr. Non, mais regardez les yeux. Je suis tout enflé et tout. Je me souviens de ce moment. Mais moment-là. Le brushing. Ah non, ben oui. Bon, et ben, l'émission. C'est quoi cette émission en vrai? C'était Léon Zitrone. C'était les Abbés du Dimanche où il y avait plusieurs catégories qui étaient représentées. C'était okay. Sur une chaîne concurrente. Et du coup, ben voilà. J'étais inscrit là-bas et j'ai tout gagné. Bon, j'ai tout gagné puis rien parce qu'il y avait une promesse d'album à la fin qui n'a jamais été faite. Voilà. Et moi, ça me faisait rire parce que. Ça me faisait rire et sourire parce que j'ai quand même rencontré Dalida. Oui. À cette époque-là, oui. Qui m'a accueilli dans sa loge pour me dire de très jolies choses. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Dites-nous. Ah, ben, elle m'a dit déjà plein de choses. Déjà, mon père, c'était un temple d'humidité, puisque quand il l'a vu, il l'a fondu complètement. Parce que c'est mon père qui m'a dit, viens, il y a Dalida qui veut nous voir. Parce que mon père, c'est un peu Fernandel, vous voyez. Viens, il y a Dalida qui veut nous voir. Donc, on rentre à la loge à Dalida. Et donc, là, elle me regarde avec une grande tendresse dans les yeux. Elle se pose, elle me dit, venez vous asseoir. Et là, elle me dit, j'espère que vous rencontrerez des artistes qui vous feront des chansons à la hauteur de votre voix et de votre gentillesse. Et ça ne va pas tarder, voilà. Ben, elle a vu juste, en l'occurrence. Il y a eu des artistes, il y a eu Goldman qui a fait des chansons à la hauteur de votre voix, de cette voix qu'on retrouve, cette voix très puissante qu'on retrouve sur cet album-là, cette voix que vous aviez un peu mis de côté. Vous dites, pendant un temps, on disait, enfin, j'ai senti que les chanteurs à voix, c'était un peu ringard, et donc je l'ai un peu calmé, ma voix. Et là, vous l'assumez à nouveau complètement. En fait, pas spécialement ringard, mais je trouve qu'il faut garder sa place, quoi. Quand la musique, c'est cyclique. Quand elle est dans un cycle, pas qui ne nous correspond pas, mais où on sent que c'est pas la peine de forcer la main, c'est pas la peine d'essayer d'appuyer, de se dire « Ah non, mais je veux garder ma place ». Ok, on reste à distance. C'est pour ça que quand on parlait de show business, moi, je ne fais pas ce métier-là pour ça. Je le fais par envie, pas par besoin. J'ai envie de le faire parce que ça m'éclate. Et donc, du coup, quand je dois rester à ma place, je reste à ma place. Quand je sens que le champ est libre, je reviens. Tout simplement. Mais c'est vrai que vous avez la plus grosse voix, que, en tout cas sur cet album-là, on l'entend et on l'assume. C'est cette voix qui a plu à Goldman, qui disait il y a 20 ans la chose suivante. Patrick Fiori est un talent qui n'est pas assez reconnu. C'est un chanteur hors norme, mais méprisé. Auprès de beaucoup, il a une mauvaise image et pourtant c'est un type que je trouve adorable et ça m'intéresse mille fois plus de faire des albums avec lui et des chansons avec lui qu'avec des chanteurs qui ont vendu des millions de disques et qui ont une super bonne image. Ouais, parce que je m'excusais d'être là et puis je pense que ça l'agace. C'est un peu quoi. Toujours merci, merci. Mais dis non, mais dis merci une fois quoi. Pas la peine de dire merci 10 fois. Je dis oui, mais moi c'est mon éducation. Il me dit ouais, d'accord, ok. Mais là, le mépris, puis, vous l'avez senti à un moment? Ce qu'il dit lui quand il dit il est méprisé. Pas le mépris, images. Mais je pense que les médias, c'est pas les gens. Hein. Enfin, certains médias qui j'en veux pas du tout finalement. Oh, je crois que certains quand même. Il y en a 2-3 quand même. Mais, la vie, on se retrouve à un moment ou à un autre. Hein. Mm. On a rendez-vous quelque part. On avait rendez-vous là. Et bien, il y a des gens. Bon, mais c'est pas moi. Hein. Non, mais il y a des gens avec qui je vais avoir des rendez-vous peut-être moins sympas. Bon, ça arrivera peut-être un jour ou l'autre. Ou pas. Et puis même, oui, voilà. Et puis même. Oui, mais je comprenais pas en fait. Je ne comprenais pas, parce que quand je suis arrivé au début dans ce métier-là, quand on me dit « Mais non, votre accent, attendez, il faut vraiment changer, quoi. » Je veux dire, non, mais l'accent, les cheveux, je veux dire, il faut vraiment faire quelque chose. Vous l'avez vraiment dit ? Ouais, et là, donc là, je l'ai regardé, je ne comprenais pas. Et je disais « Mais alors, Francis Cabrel, vous avez fait comment avec lui, alors, quand il est arrivé comme ça, franchement ?» Vous voyez, je ne comprenais pas. Et donc, du coup, je ne comprenais pas de quoi on m'accusait, en fait. Et c'était quoi ? Hein ? C'était quoi ? Ben, je pense que quand je suis arrivé, c'était pas le. C'est quoi, vous pensez, trop typé? Peut-être trop typé. Ou, trop typé, ou vous pensez pas, c'était pas les chanteurs à voix, peut-être qui étaient là, ouais. Ou peut-être, ouais, populaire. Alors, populaire, c'est quand même tout ce qu'on fait et toute la musique qu'on écoute, bah, elle vient quand même de là, donc du peuple. Bien sûr. Donc populaire. Voilà, bon, c'est écoutez, du snobisme, ça que je veux dire. Je sais pas, mais en tout cas, c'est ouais. Pas grave. Le pire, c'est pour eux, pas pour moi. Sur cet album, bravo. Sur cet album, dont vous allez nous chanter un petit extrait dans quelques instants avec un homme qui a composé une partie des chansons, qui s'appelle Icar, ah ouais. Que j'aime beaucoup. Super mec. Qui va venir là, il est en loge, il va venir. Il accepte de venir m'accompagner. Hein.
à la guitare. Franchement, c'est sympa. Non, mais là, il vient jouer, quoi. Mais d'habitude, il chante. Donc mais je sais, voilà. D'habitude, il est invité pour lui, mais la prochaine fois, on l'invitera pour lui, pour son album. C'est adorable de sa part. Mais là, il a été très sympa. Nous, on n'y croyait pas. Il vient faire la gratte pour vous. Ah, si, si. Tout le monde vous aime, c'est comme ça. Et Michel Drucker, qu'est-ce qu'il fout sur cet album? Alors, Michel Drucker. C'est vrai. Ah ouais, mais je l'aime profondément. Bah, on l'aime tous. Mes parents l'adorent aussi. Encore une fois, je sais qu'on parle beaucoup des parents. Mais parce qu'il ne sera peut-être pas là pour le prochain, donc il fallait mettre. Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai pas entendu. Il a dit quoi? Il sera pas là pour le prochain. Que tous les dieux du monde lui prêtent vie longtemps, parce que c'est vraiment un dinosaure et c'est vraiment l'homme qui a trahi personne. Je suis d'accord à fond. Ouais, je sais que tu es d'accord. Et qui a accompagné tous les artistes merveilleusement bien et qui a su nous les faire découvrir. Voilà, donc pour moi. Et qui nous regarde tous les samedis, donc vous pouvez lui passer un message. Ah oui, bien sûr. Alors quand je l'ai appelé, il a dit oui tout de suite, il n'était pas obligé. Cette chanson parle de garçons qui ont eu un parcours, que Slimane, Soprano, Icar et Claudio Capeo, et moi-même, donc voilà. Et je trouvais ça intéressant que le patron viennent valider cette chanson à la fin en disant oui, c'est vrai que vous êtes beau, c'est vrai que votre parcours est beau. Donc, monsieur Michel Drucker, merci mille fois d'avoir accepté. Voilà. Bon, on va appeler Ricard tout de suite. Ah, avec plaisir. Et on va vous entendre chanter le chant est libre, mesdames, messieurs, Ricard. Waouh, le beau gosse. C'est sympa de venir juste pour l'accompagner à la gratte. Je l'aime et j'aime cette émission. Eh bien, nous, on vous aime. Ça va, on y va quand vous voulez. Hein. Ok, très bien. Hein? Il y a une ombre sur le tableau, pourtant le soleil brille bien haut. Tout est cool et tout est beau. C'est l'été sur la terrasse, oui mais le mal qui le terrasse est indifférent aux saisons. Il était beau, on a beau dire, servait ses cafés grand sourire, tout le monde était content, faut croire. Il était tellement tranquille, qui aurait imaginé qu'il portait un monde sur le dos. Le chant est libre, la voix est là, juste devant toi. Le chant est libre, si tu veux vivre encore une fois, chante avec moi. Une ombre sur le tableau, photo de famille sur le bureau, tout roule et tout est beau. Ascenseur au dernier étage, chef d'entreprise dans sa cage, toute seule au-dessus des nuages. Reine du monde, on a beau dire parfois qu'elle a du mal à rire, mais elle gagne bien sa vie, faut croire. C'est le prix de la fortune que parfois les rêves importunent quand elles fredonnent dans les couloirs. Le chant est libre, la voix est là, juste devant toi. Le chant est libre, si tu veux vivre encore une fois, chante avec moi. Tableau, pourtant le soleil brille bien haut, tout est cool et tout est beau. Bravo! Bravo! Merci, Carla. Magnifique, merci, Carla. Merci d'avoir été avec nous. Je l'adore parce qu'il est libanais aussi. Il est aussi libanais. Oui, oui, il est aussi libanais, mais il est de toutes les prières et il est. Et il est dans le cœur des gens. Merci, Icar. Merci à toi. C'est mon ami. Et le nom d'album, nos futurs de votre
votre album, Nos Futurs, qu'on peut trouver toujours. Merci beaucoup, Icar, d'avoir été avec nous. Merci infiniment. Merci, Icar. En effet, ça pousse, hein. Ouf. Quelle voix, quelle voix il a, ce mec. Il a une bonne mais voix. Mais c'est ça qu'il a. Moi, je le sentais d'ici, hein, franchement. Ah oui, c'est... Mais cette voix, elle est magique. Enfin, franchement, mec. C'est vrai que vous avez pété deux fois un micro. Oui. Rien qu'avec votre voix, vous pétez les micros. Non, mais c'est des accidents, hein, ça arrive. Ouais. Mais sur Notre-Dame de Paris, en studio, et il n'y a pas longtemps, sur une émission qui s'appelle C'est à vous, où j'ai fendu la cellule du micro. Parce que... Et vous l'avez pété, vous avez pété le micro. Parce que tu l'as jeté par terre. Non, c'est la puissance qui n'a pas supporté. Quoi ? Léa, je vais garder ce micro, d'accord ? Si vous pouvez me l'ouvrir, est-ce que vous me laissez la possibilité d'honorer votre invitation ? Parce que j'ai une petite surprise pour vous. C'est pas prévu, je suis pas au courant. Non, c'est pas prévu. Et vous la gardez pas. Enfin, je veux dire, j'avais vraiment envie de ça parce que quand je suis arrivé, le producteur m'a parlé d'autre chose, de votre émission, et je lui ai soumis une autre idée. Et j'aimerais vous la faire partager. C'est possible de mettre la réverb sur le micro, s'il vous plaît, comme tout à l'heure, comme pour le chant est libre. Hein ? Et vous pouvez envoyer quand vous voulez. Dil-i-yam-a Yes-ke-siri Ashman Havi Yaman Yamaniya Delhi Yaman Delhi Yaman, Yamania. On peut savoir, tu sais. Oui, on peut savoir, oui. C'est l'hymne national de l'Arménie que vous avez chanté. Merci. Moi, je suis d'origine arménienne, vous le savez, par ma mère, d'origine libanaise par mon père. Je suis de sang mêlé, comme on dit. Et merci, parce que je pense que vous allez faire plaisir à toute la communauté arménienne qui est très nombreuse en France, qui souffre aujourd'hui pour l'Arménie, parce que notre pays d'origine souffre. Et je voulais vous remercier. C'est très beau, c'est très fort. Merci. Et puisqu'on est sur l'Arménie, il y a deux semaines, le Panthéon, pour la première fois, un étranger a été panthéonisé, Manouchian, Misak Manouchian. C'est une cérémonie magnifique. Et ceux de l'affiche rouge, il faudrait juste qu'on réécoute un morceau de Feu Chatterton et de la musique de Léo Ferré. Voilà. Vous n'avez réclamé la gloire, ni les larmes, ni l'orgue, ni la prière aux agonisants. 11 ans déjà, que cela passe vite, 11 ans. Vous étiez servi simplement de vos armes. La mort n'éblouit pas les yeux des partisans. Qu'est-ce que vous avez ressenti ? Qu'est-ce que vous avez ressenti, vous, l'Arménien, quand vous avez vu ça ? Une grande émotion, une grande fierté, puis même, voilà, tombé pour la France. Mais moi, ce que j'ai ressenti, c'est surtout toute l'histoire de ma famille, de la maison oubliée, du côté du Haut-Karabakh, qui aujourd'hui appartient aux Azéris.
et de et ces Turcs. Et le génocide. Oui, des Turcs qui sont entrés dans ce village. Moi, j'ai revu tout ce que mon père m'a raconté, tout ce que ma mère m'a, sans jamais de haine, sans jamais pointer l'autre, sans jamais. Il est arrivé ça. Voilà, tu feras ton histoire plus tard. Ça cheminera dans ta tête. La maison oubliée, les Turcs sont rentrés dans le village à Chouché, où mes arrière-grands-parents sont enterrés, où je ne peux plus y aller. Je ne peux plus mener ma famille. Je voulais les mener là-bas, je ne pourrai plus jamais. Et donc, les Chouchaillans. Donc, c'est votre nom de famille, c'est ça. Parce que vous avez changé en Fiori à 14 ans. Vous avez pris le nom de votre mère. Exact. Et était en train de prier, et donc les soldats ont oublié une maison. Donc, je suis finalement un enfant rescapé du génocide. Voilà. Merci, en tout cas. Merci infiniment, Patrick Fiori. Le chant est libre, le nouvel album de Patrick Fiori qui est sorti. Vous serez en concert le 4 mai à la scène musicale, en tournée dans toute la France jusqu'en décembre. Et vous serez aussi ce lundi soir à l'Olympia, pour leur voix pour l'espoir avec Patrick Bruel, d'autres stars mobilisées contre le cancer du pancréas. Patrick, vous connaissez la mama? La mama? Mmh, la elle mama. A quelque chose à vous dire. Ah. Tu es gentille, toi. Tu peux m'appeler Madame Mama. Bonjour, Madame Mama. Ça va? Vous arrivez tout droit de Corse, je crois. Pour Patrick Fiori, vous êtes fan, évidemment. Et pas à tout. Pas à tout. Qu'est-ce qu'on fait avec tous ces gens du continent? Quelle horreur. Oh. Tu as vu comment ils sont habillés? Il n'y en a aucun qui porte son arme à feu avec lui. Ah. Et ça nous refuse l'indépendance. Je suis passée en loge tout à l'heure. Il ne t'avait même pas mis de canistrelle. Alors je t'ai fait un petit panier, mon chéri. Tiens, c'est trois fois rien pour que tu puisses survivre. Voilà. Voilà. Quoi. Je m'attends à tout. Faut leur dire. Hein. Ah oui, ça non, va. Non, non, et oui, bon. J'ai mis les canistrelles, j'ai mis le fromage, allez. J'étais tout mis. Vas-y, bien sûr. Allez, allez. Pas tout, j'aimerais que tu rentres avec moi en Corse, mais je sais que tu as la promo, tout ça, voilà, les bling-bling et tout ça, la télé, le showbiz. Je te fais une proposition. Les miens. Tu chantes avec moi Corsica? Yeah. Et je te laisse tranquille. Avec plaisir. Allez. J'attaque, je te rejoins. Ok. Balsama di purezza.
c'est grave. On fait un selfie pas tout. C'est le plus beau selfie de tous les temps. Ah, là, 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 attention, là. Ah, j'en ai plein, j'en profite. Moi aussi. Ça suffit maintenant. On arrête, Charlotte. Je reprends le panier, pas à tout. Choisis une date sur la tournée, elle va venir la chanter pour de vrai avec moi. Je rigole pas. Non, mais je rigole pas. Ah, je vais chialer. Ouais, choisis et viens. Okay. Vraiment. Charlotte Desnos, okay. Mesdames, messieurs. Merci. Bravo. On a le droit à tout ce soir. Du sang de danse, du trance, bonne soirée. Elle a chanté, hein. Du chant arménien, de la musique de française. On a le droit à tout ce soir. Cette musique, elle est incroyable parce que c'est ma première chorégraphie sur la musique. Oui, Corsica. Vous aviez quel âge? J'avais 25 ans. Voilà, 25 ans. Et c'était sur la magnifique voix de Petro Guelfucci, qui nous a quittés il y a quelques temps. Et c'est très, très émouvant aussi pour moi de chanter ça. Ah, c'est magnifique. Ouais. On embrasse nos amis corses. On a tous des amis corses. Dans quelques instants, Philippe Cabrivière, qui est en pleine préparation avec son équipe. Voilà comment il bosse. Il se prépare pour vous, je pense, pour l'homme le plus fort. Vous serez gentil de me le plier tout à l'heure, quand avec vous ferez plaisir. Le petit... Ça lui fera du bien, ça lui fera du bien. Ça lui fera du bien. Mais d'abord, Marie-Claude, oui, et on parlera tout à l'heure, évidemment, des élections américaines, du retour de Donald Trump. On va vous présenter, amis téléspectateurs, le Trumpiste premier français. Il est très efficace, hein. Vous avez vu comment... En tout cas, il est fan de Donald Trump, il est en France. On va vous le présenter, beaucoup de choses à dire. Mais d'abord, Pietra, donc... la danseuse la plus célèbre de France, la femme qui a démocratisé la danse en France. On a grandi avec vous. Vous êtes entrée... Vous êtes entrée à l'Opéra de Paris à l'âge de 10 ans, nommée Étoile à 27. Vous avez collaboré avec les plus grands. Vous avez dansé avec Rodolphe Nureyev, avec Maurice Béjart, avec Patrick Dupont. Vous êtes aussi chorégraphe. Vous avez fondé, il y a près de 20 ans, votre propre compagnie de danse. Vous avez dirigé un ballet national à Marseille. Vous avez également été actrice au théâtre, au cinéma. Et puis, vous avez participé... aussi pour démocratiser la danse, aux émissions qui ont cartonné sur la danse, que ce soit Prodige ou évidemment Danse avec les stars. Bref, vous êtes une femme totale. Non mais c'est vrai, quand c'est on voit... Ben oui. Vous êtes à l'affiche de Gisèle avec un S, avec votre troupe, actuellement en tournée dans toute la France. Vous serez à Paris à la scène musicale du 14 au 17 mars. Vous avez dansé il y a 30 ans ce ballet, la première fois, et vous dites, c'est le seul ballet dont je suis sortie en pleurant, dans les bras de mon partenaire, en me demandant si je pourrais le rejouer un jour, tellement cette Gisèle vous avait bouleversé un talent. Oui. Et vous dites que c'est la part de violence chez elle, aujourd'hui, adaptée au monde moderne, qui vous intéresse le plus. Absolument. Et donc, on ne suit pas une Gisèle, on suit plusieurs Gisèles, on suit plusieurs couples. Quatre couples. Des couples qui vont se faire et se défaire, avec cette violence physique et, pour certains, avec une violence aussi psychologique. Et donc, ces femmes ne vont plus être des jeunes femmes un peu évanescentes, un peu transparentes. Ça va devenir des guerrières, des amazones. On regarde ce que ça donne. De regarder quelques images là où on voit qu'il y a la violence, l'emprise, enfin je veux dire, vous exprimez des sentiments qui sont pas. Oui, on n'est pas dans la douceur. Non, même si. Est-ce qu'il peut exister de la rédemption par l'amour? Ça, c'est peut-être ce qu'on. Mais qu'est-ce que vous en pensez, vous? Peut-être, oui, peut-être. Alors, en tous les cas, c'est peut-être plus intelligent. C'était pour moi une. Enfin, je trouve que cette création. À révéler aussi des choses parce que moi je suis un personnage qui prend la douleur des autres, qui la reçoit et qui essaye de la transformer. Et vous êtes comme ça dans la vie? Vous êtes comme ça? Vous êtes quelqu'un qui prenait la douleur des autres? Oui. Oui, de plus en plus. Et c'est magnifique, hein. Oui. C'est fatigant et puis des fois on est un peu
un peu découragée parce que des fois on se dit bah, il faut aussi penser un peu à soi. Des fois on s'oublie un peu. Vous êtes toute seule pour faire tout ça, chef? je suis. Non, je ne suis pas toute seule parce qu'il y a une équipe. Oui, mais c'est vous la patronne. Mais on est, les... voilà, on c'est est quand même. C'est vous la responsable. Vous êtes le moteur, quoi. Vous êtes le moteur. Ouais, et puis il y a le nom. Et donc, quand il y a quelque chose qui marche, bah, c'est grâce à tout le monde. Et quand il y a quelque chose qui ne marche pas, bah, c'est grâce à. C'est à cause de vous. Voilà. Ouais. Beaucoup de similitudes avec mon métier. Et tiens, j'ai une question à vous poser à tous les deux. On parle beaucoup de MeToo, partout, dans le cinéma notamment, l'affaire Judith Godrèche et tout ça. Les MeToo dans la cuisine et dans la danse. Qu'est-ce que vous en pensez Alors moi, je vais vous dire un truc. La violence, quelle qu'elle soit, est intolérable. Pour moi, c'est intolérable. Voilà, c'est tout. Oui, mais est-ce qu'il y a un mouvement qui est en train d'émerger? Merci Miss France. Dans la cuisine. Merci Miss France. Je suis contre la violence. Ah oui. Montez-lui, on met trop une chose. On va envoyer tous les deux. Ouais. Ouais, mais enfin, fais pas chier quand même. Non, mais sérieusement, c'est vrai qu'on n'entend pas parler dans vos deux métiers. Elle a raison, Léa, de MeToo dans la danse ou dans la cuisine. Peut-être pas dans la cuisine, mais dans la danse, il y a une espèce de... C'est énigmatique un peu. Vous dites d'ailleurs que ce sera un des secteurs où il n'y aura pas de MeToo. Les gens n'oseront pas parler. Il y a une violence intrinsèque dans ce métier. Après, c'est compliqué parce que il y a. On a l'impression que vous avez du mal à en parler, même. Pardonnez-moi. C'est pas que j'ai du mal à en parler, c'est que je l'ai pas vécu moi. J'ai jamais pas vécu. Vu. Non, jamais j'ai pas entendu. Vécu. Mais je sais que ça existe. Je sais que dans tous les milieux. Donc je sais que ça existe, bien sûr. Est-ce que vous diriez que la danse vous a volé votre enfance? Peut-être une part de l'enfance, c'est sûr. Quand vous rentrez à 10 ans à l'école de danse et puis que vous suivez tout ce cursus, vous travaillez le samedi, vous travaillez le dimanche, c'est sûr que c'est une vie particulière. C'est vrai que votre fille Lola vous a dit un jour « Je connais mieux ma nounou que toi ». Oui, alors ça, c'était pour me piquer. Mais en tous les cas... 38 ans. Oui, c'est ça. Mais pas loin d'avoir 14-15 ans. Ça, c'était des comptes à régler avec sa maman. Enfin, en tous les cas, on a essayé, son père aussi a essayé d'être là le plus possible. Hein, mais c'est évident que... C'est jamais assez. C'est pas simple. C'est pas simple. Est-ce que la beauté vous a aidé dans votre parcours? Je crois pas. Et vous, Philippe? Hein, pose des questions. La question ne se pose même pas. Alors, enfin. Je crois pas parce qu'elle a été toujours un peu même un peu contre moi en disant que j'avais ce côté corse un peu sombre, un peu. Un peu juste magnifique et élégante. Oui, mais c'est pas toujours bien perçu, ça, non plus. Alors, je sais pas trop si ça m'a... En tout cas, le combat de votre vie, c'est de démocratiser la danse, de la sortir du cadre réservé, la danse réservée aux élites. Alors, je suis pas la première à faire ça. Béjart l'a fait encore mieux que moi. Voilà. Mais c'était votre mantra. Oui. Comment vous expliquez que, chaque fois qu'il y a un film sur la danse, on a parlé tout à l'heure de Dirty Dancing, mais Flashdance, etc., c'est des énormes cartons au cinéma, c'est des blockbusters, que quand vous faites Danse avec les stars ou prodige, ça cartonne aussi à la télé, mais que l'image de la danse reste élitiste. Ben, je crois que ça vient de nous aussi. Ça vient des danseurs, ça vient des danseurs, ça vient des chorégraphes. Je rêve de créer les tréteaux de France pour la danse, d'aller dans la ruralité, d'aller partout. Enfin, ça a toujours été, moi, mon envie de démocratiser la danse, mais au sens noble du terme. Des fois, c'est mal pris. Hein. C'est très mal pris. Hein. Quand j'ai fait Danse avec les stars, justement, on parlait de l'émission de la télévision. Ouais. Moi, quand j'ai fait Danse avec les stars, tout le monde de mon milieu m'a dit oh là là, qu'est-ce qu'elle va faire là-dedans? Qu'est-ce qu'elle va se fourvoyer? Mais voilà. Et puis après, tout le monde a voulu le faire. Je sais pas si vous avez remarqué. D'abord la jalousie. Voilà, après tout le monde a voulu. D'abord on crache et puis après on fait. Ouais. Il y a une question que l'acteur Philippe Lelouch, qui était à votre place il y a quelques semaines, vous pose à ma place. Ça concerne le slow. Pourquoi le slow a disparu? Je me dis pourquoi ils ont arrêté le slow. C'est qui le connard qui a eu cette idée d'un... En plus, je dis que si j'étais féministe, je dis même en tant que féministe radicale, révolutionnaire, je rendrais le slow obligatoire.
Parce que, non, mais parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que dans la société, visiblement, il y a des hommes qui ont un problème avec le nom. Ils ne comprennent pas ce que nom veut dire. Quand on a connu le slow, nous, on sait bien ce que ça veut dire non. Hein. On l'a bien. On ne sait pas pourquoi ça a disparu. Enfin, je vais moins dans les booms qu'avant, mais j'imagine, j'imagine effectivement qu'il y a. Le slow, c'est fini, Christophe. Les slow, c'était quand même. Enfin, je ne sais pas. Ouais, c'est super. Ah oui, puis c'était le fait de danser à deux aussi. Ah oui, bah, maintenant, les gens dansent tout seuls. Bon, pourquoi pas. Eh bah, oui. Ah, il y avait le rock pour danser à deux. Vous avez aimé faire le slow, Philippe. Pardon ? Vous avez aimé danser le slow ? Absolument, j'ai adoré danser le slow. Il faudrait déjà que les discothèques. J'ai pris beaucoup de râteaux, effectivement. Je sais ce que ça veut dire, non ? Bien sûr, mais j'ai beaucoup aimé danser. Moi, j'avais beaucoup de complications parce que moi, c'était ça, moi. Le photocall de Pietra. Je vous montre une figure et quelle est la question ou quel mot, en un mot, qu'elle vous évoque. D'accord. Brigitte Bardot. Ah, figure emblématique. Pour moi, c'était une conscience. Je suis devenue végétarienne grâce à elle. Ah oui ? Oui, à 18 ans. Elle m'a ouvert sur C'est un de vos modèles, Bardot. Pardon, hein. Mais... Mais pourquoi mais... Non, mais vous excusez parce que... pas. Non, mais à l'époque, c'était tellement... mal vu d'être végétarienne. Super mal vu, on me disait... Moi, je me rappelle de Nourieff qui me disait mais vous, Pietra, vous, pas pouvoir danser. Wow. Barbara. Alors, Barbara, c'est... Attends, c'est... non, là, c'est elle. C'est vous, là, vous êtes trompée. On dirait vous. C'est le sosie, oui. C'est vous, c'est vous, c'est lui, c'est le sosie. Ben, c'est assez troublant, parce que c'est d'abord, c'est, une, c'est un rendez-vous loupé. Je me rappelle d'elle au Châtelet, je suis venue dans sa loge, on avait l'envie, enfin, elle avait l'envie de faire quelque chose avec moi. Et puis, ça ne s'est pas fait, puisqu'elle est partie. Et puis, je ne me suis jamais octroyé l'envie de faire quelque chose avec elle. Et puis là, je suis en train de créer un seul en scène qui va s'appeler Barbara. Ah. Voilà. Rodolphe Nourieff. Ah, Rodolphe Nourieff, alors ça, c'est vraiment le plus grand danseur de tous les temps, avec Nijinsky. C'est vrai que vous aviez du mal à vous entendre avec lui ? Bah, au début, c'était compliqué, parce qu'il est arrivé, il a tout voulu révolutionner à l'opéra. Donc, moi, je suis la génération Nourieff, donc j'ai tout appris avec lui. Mais je crois que ce qu'il nous a appris, surtout, ce qu'il nous a transmis, c'est la façon de travailler, d'être exigeant avec soi-même. Et avec son travail. C'est ce dont je parlais, pardonnez-moi, en cuisine tout à l'heure, où je me demandais s'il y avait des rapports. Lui était ferme, c'est le moins qu'on puisse dire. Ah, il était très ferme. Hein ? Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Ferme, c'est il gentil. Était très ferme. Oui, oui. Il, non, avait, il était super dur. Mais par contre, on oubliait tout quand il était sur scène, parce qu'on était porté par... un oiseau. Par son dynamisme, par sa passion de la danse, Rachida Dati. Eh bien, Rachida Dati, moi j'attends avec impatience ce qu'elle va faire pour la culture, parce que je pense qu'elle aime beaucoup la culture. Je l'ai rencontrée une fois. C'est vrai que vous avez la même voix ? Ben ouais, tout le monde me dit ça. Ouais. Alors moi, je ne m'entends pas parler, mais il paraît que... Vous n'avez pas plus, visiblement, ça ne m'a pas souhaité si, au si, jeu. Si, mais il y a beaucoup de gens qui me l'ont dit. Alors, dites dites par exemple, Valérie Pécresse, je t'emmerde, dites. C'est pas Valérie Pécresse, quelle emmerde. C'est Anne Hidalgo. Ouais, c'est Anne Hidalgo. Ouais. Révisez vos fiches. Votre mère, en un mot. C'est une femme... c'était une femme magnifique. Je pense que c'est grâce à elle si je fais de la danse. Et évidemment, à mon père. C'est une belle âme. C'est une femme extraordinaire qui m'a portée tout au long de ma vie. Votre père ? Mon père, c'est mon père. C'est difficile de parler de ça. Il est parti trop jeune et je l'ai en moi, dans mon cœur. Il n'y a pas un seul spectacle où je ne pense pas à lui. Votre fille, Lola ? Ah, c'est aussi l'amour de ma vie. C'est ma petite princesse. Et Marie-Claude Pietragala ? Qu'est-ce qu'elle se dit ? Peut-être j'ai envie de lui dire qu'il faut savoir dire merci à ses parents. Ça, c'est la... Je pense que quand on les a plus, je crois que
ce qu'on a envie de dire en permanence. Gisèle, avec votre troupe actuellement en tournée dans toute la France, à la scène musicale du 14 au 17 mars, chorégraphie et mise en scène de vous et de Julien Derouault. Et puis aussi un deuxième spectacle, La femme qui danse. C'est votre seule en scène qui est également en tournée jusqu'au 8 décembre. Sans transition, on accueille notre meilleur expert politologue de France, Philippe Cavrivière. Ça va, bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir, 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 mon filou. Quelle émission, ouais, dis donc, hein. J'ai suivi l'émission. En fait, très sympa, Christine. j'ai envie de dire Kiki de Ligonnès, très sympa. un peu étrange, quand même. Je dirais souriante, peut-être trop souriante, même. Non, mais Léa, Xavier va bien. Il est aux États-Unis. Voilà, j'ai la lettre, j'ai des éléments. Voilà. Xavier est espion international. Voilà, je peux pas le dire, mais voilà. Xavier et Joe Biden, ils sont comme ça. Voilà. Il sera ministre de la Défense. Voilà. Mais enfin, je tenais à vous dire, les enfants vont bien. Voilà. Les chiens aussi, les chiens. Bon, tais-toi. Il est là. Le chien va bien aussi. Ils sont à Los Angeles. Ils ont beau temps. Voilà. Voilà. Non, alors, il y a un moment qui a été génial quand même, c'est la partouze à la paroisse, quand vous avez posé la question. Non, moi, ça m'a intéressé, je crois que ça m'a excité même, parce que c'est quelle paroisse, en fait, parce que ça peut me donner, ça peut me donner envie de rentrer à la messe, voilà. Enfin, voilà, l'émission est super l'émission ce soir, vous a Patrick, plu, ce tout soir. Ça, tout, ouais. Bien, Patrick. Tout est très bien, et c'est mieux que... Je ne sais pas si vous avez regardé la semaine dernière, c'est pas... On a eu un problème, la mayonnaise n'a pas pris, Philippe. Alors, c'est comme ça, ça arrive, on se l'est dit en sortant de l'émission, je vous revois dans le couloir, quelle émission de merde, vous m'avez dit. Et, non, parce que c'était dérythmé, il y avait un problème de rythme, voilà. Et la preuve, je vous le prouve. Je vois pas la corde, c'est trop gros. C'est là. Non, pas là. Ah, mais c'est pas la bonne corde, quel con. Mais pas du tout. On n'est pas tous égaux devant la guitare. Voilà. Alors, heureusement, Christophe, que vous n'aviez pas le même problème de cadence quand vous animiez. Sinon, votre émission culte. Coucou, c'est nous, ce sera appelé Coucou, c'est mou. Et ça n'aurait pas le même. C'est vrai qu'on dirait un peu un slogan pour des pilules pour les gens qui ont des problèmes d'érection. Coucou, c'est mou. Alors, heureusement, après ce raté musical. C'est une idée, hein. Bah oui, on peut lancer un truc. Vous avez un peu remonté le niveau, chère Léa, cher Christophe, puisque vous avez accueilli une star américaine, une star internationale, Mickey Rourke, qu'on revoit. Et Où à l'époque, à l'émission, où c'est pas Mickey Rourke. Excusez-vous tout de suite. C'est quoi? C'est Sylvie Vartan. Ah, d'accord. Vous êtes sûr? Parce que moi, sans mes lunettes, vous savez, parce que je me disais, pourquoi Mickey Rourke chante « L'amour, c'est comme une cigarette », ça n'avait pas de sens. Quoique, j'aimerais bien les revoir les deux ensemble quand même. Sylvie est à droite. Sylvie me regarde ce soir. D'accord. Mais... Il y a un côté quand même Dupont et Dupont. Alors du coup, on ne sait pas lequel a joué dans Madame de Pfeiffer. C'est lequel des deux. C'est encore une autre personne, d'accord. On embrasse, en plus, Sylvie nous regarde. On embrasse Sylvie Vartan qui nous regarde. Ouais. Une dernière fois. C'est la dernière fois. C'est possible, ouais. C'est possible. Aurélien, il va faire ça avec toi la semaine prochaine. Tape tout de suite. Je reviens en vrai. Non, prends-les devant. Lundi, le Sénat et l'Assemblée nationale, la réunion en congrès à Versailles, ont entériné l'inscription du droit à l'IVG dans la Constitution. Oui. Les députés, les sénateurs et les Français étaient contents.
Les Versaillais, un petit peu moins. Parce que là-bas, il y a des cathos un peu traditionnalistes, un peu... Un peu... J'ai des preuves. Un peu vieille France, vous voyez de qui je veux parler. Non, mais habituellement, chez les Jean Hubert, les Marie Charlotte, les deux Ligonesses, les deux Saint-Cernin, demandez à Paul. Non. Paul et ses 14 frères et sœurs vous le diront, dans ses familles, dès qu'il y a un tir cadré, il y a but. Surtout s'ils sont 40 dans une paroisse, il y en a forcément un qui va la mettre au fond. Et j'ai des éléments. Et bref, on rappelle que l'IVG, c'est jusqu'à 14 semaines maximum. On peut aller bien sûr jusqu'à 7 ou 8 ans après l'accouchement pour les enfants qui courent dans les TGV. Alors, parfois, les parents hésitent à garder l'enfant, mais ils ne peuvent pas en parler au fœtus parce qu'il est trop petit. Et en plus, il serait con, forcément. Donc, les parents en parlent à l'enfant beaucoup plus tard, quand il est ado, vers 13 ans, souvent, la maman dit à son enfant « Si j'aurais su que t'étais aussi con que ton père, je t'aurais fait avorter !» Et ça, Françoise Dolto est formelle, faut pas le faire, c'est pas recommandé, c'est pas bien pour l'estime de soi, voilà. C'est pas très Montessori, si vous voulez. Les sénateurs républicains Bruno Retailleau et Gérard Larcher, ils étaient opposés à l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Le premier, Bruno Retailleau, a voté contre. Le second, Gérard Larcher, qui était sur notre plateau il y a quelques semaines, eh bien, il s'est abstenu. Oui, alors Gérard, je peux comprendre son hésitation, visiblement, car il est enceinte. Non, mais ça nous est tous arrivé de faire la gaffe, de dire « Ah, félicitations, non, machin ». Donc, pas de gaffe, hein. Mais lui, visiblement, a dépassé les... Il a dépassé les 14 semaines. Je pense qu'il a dépassé le terme. Alors, Gérard, il faut absolument faire sortir cet enfant. Alors, soit avec, en enfumant du papier journal, on peut glisser du papier journal à l'intérieur, ou soit en agitant une PlayStation devant et en général l'enfant sort. En tout cas, je suis persuadé que quand l'enfant va sortir, il va dire « Bonjour papa » et il aura mué forcément, il va direct aller passer son permis. Alors, la question, c'est pourquoi les hommes s'opposent à l'IVG, quelque chose qui ne concerne que les femmes. Après tout, c'est le corps des femmes, ça leur appartient, de quoi je me mêle. C'est comme si les hommes, demain, étaient contre les prothèses mammaires et qu'ils disent « Mais non, on ne peut pas faire ça, des gros seins comme ça, ça ne va pas !» Non, c'est un très mauvais exemple parce que... Non. C'est rare que les hommes soient contre. Donc, non, l'exemple ne marche pas. Pardon, tant pour moi. Emmanuel Macron a exhorté les alliés de l'Ukraine à ne pas être lâches face à la Russie et à reprendre l'initiative pour remporter cette guerre. On va en parler tout à l'heure avec vous, Mélissa. Oui. Alors, Macron menace à nouveau Poutine, alors qu'il ne fait pas le poids. C'est comme si moi, j'embêtais Aurélien, tu vois. Je suis lucide. Donc, voilà. Non, alors on retrouve ce manque de lucidité chez la race canine. Ça nous est tous arrivé de voir un petit Yorkshire dans la rue qui emmerde un Rottweiler qui n'a rien demandé. Et t'as envie de dire au petit Yorkshire, faut pas y aller, ça va mal se passer. Alors, l'attitude belliqueuse de Macron ne fait pas l'unanimité. Le chancelier allemand Olaf Scholz prend ses distances. Scholz, qui n'a pas seulement un nom de chausson orthopédique pour senior vendu en pharmacie, il en a aussi le charisme. Avec cette tête, voilà, tu fais le dîner de con, mais c'est pas crédible. Alors, le chancelier allemand l'a dit, vous le savez tous, si vous avez comme moi acheté le Frankfurter Allgemeine ce matin, il a dit très précisément « Der französische Präsident Macron hat auf einem Besuch in Prag gefordert, sich nicht feige. » Ah merde. « Sich nicht feige. » Ah merde. « Den Herausforderung des Unkrieg zu verschließen. » Qui veut commenter en premier? Mélissa, Léa, c'est vous qui voyez. Mélissa, je vous laisse. Elle répondra après. Non. Elle répondra après. Voilà. Non.
Un mot sur les rumeurs de rivalité entre Emmanuel Macron et Gabriel Attal. Selon certains, le président serait irrité par l'activisme du Premier ministre. Alors, c'est vrai qu'il n'arrête pas, Gabriel Attal, il bouge tout le temps. Emmanuel Macron commence à se demander s'il n'aurait pas dû le faire vermifuger en même temps que Nemo. Alors, Gabriel Attal est à droite, mais il y a la même tristesse dans le regard. Hein. Il se ressemble énormément. Bon. On va terminer avec le monde enseignant qui fait face à une série d'agressions et de menaces de mort visant des professeurs. Ces violences revêtent parfois un caractère religieux. Oui, c'était un professeur, un simple professeur, qui pensait que savoir était. Ah, Francis Cabrel, tu nous manques. Putain de sida. Alors, on est... Oh non, c'est n'importe quoi. Non, hey, non, il est tard, je suis crevé. Non. Oh, ok. Bon. Non, mais il y a des gens qui vont le croire. Oui. Non, tu arrêtes. Ça fait deux autres infos. Oui, bah, les gens remettent dans l'ordre tout. Alors, non, c'est vrai que les profs ont un problème avec... Mais si les profs faisaient un peu de sport aussi, voilà, il y aurait moins de problèmes d'autorité. Quand on est enseignant et qu'un élève menace de vous assassiner, il y a deux réactions qui se mélangent. Il y a la première, évidemment, c'est la peur. Et la deuxième, c'est la fierté du devoir accompli si l'élève ne fait aucune faute en français en proférant sa menace. Et là, on est un petit peu content. Donc, le prof peut dire, ce que je te propose, Jean Toufik, c'est que moi, je vais te mettre 20 sur 20. Et toi, en échange, tu poses ce sable de 70 cm qui nuit un peu à la fluidité de notre dialogue. Voilà, comme ça, on est sur du gagnant-gagnant, Jean Touf. Une commission d'enquête du Sénat a présenté un rapport qui formule des recommandations pour renforcer le respect de la laïcité à l'école. Alors j'appelle la définition de la laïcité, c'est la liberté de croire ou de ne pas croire sans faire chier les autres. Voilà. C'est pas du Chateaubriand, mais ça a le mérite d'être clair. Protéger la laïcité, c'est un beau projet parce que c'est vrai que la laïcité, c'est comme la porcelaine de Limoges ou comme un couple dans lequel un seul des deux est échangiste. C'est fragile. Alors, on assiste à une montée de la pression islamiste dans certains établissements. Ça tombe bien, parce que ça va détendre tout le monde. J'ai écrit une super vanne sur l'islam radical. Alors, c'est deux islamistes qui rentrent dans un sex shop et... Excusez-moi. C'est ma femme. Allô ? Non, non, tu me déranges pas. Je suis au bureau, là. Non, bah, c'est le bureau. Tu sais, on se fait chier un petit peu. Non, il y avait de Christine de Ligonnès-Kiki, très sympa, très sympa. Non, ouais, et le mari cocu, très gentil aussi. Oh non. On le sait tous. Allez, voilà. Non, écoute, sinon ça va. Voilà, je torche la deuxième chronique comme d'hab et je rentre. Voilà, bisous. Voilà, pardonnez-moi. Oui, qu'est-ce que je disais? Oui, alors ma blague sur les deux islamistes était excellente et ça prouve qu'on peut rire. Votre courage. Mon courage et ça prouve qu'on peut rire de l'islam radical quand on a des couilles. Voilà. À tout à l'heure. Il revient tout à l'heure après qu'on ait parlé avec l'homme le plus fort de France et que vous nous expliquiez bah, comment on a ses muscles hein, et comment on fait. Ça, c'est dans quelques instants. Mais pour l'heure... c'est facile, ouais. Et on va vous voir tirer des camions, renverser des voitures et tout ça. Les images sont impressionnantes. Mais on en vient à présent à l'actualité internationale de la semaine, l'élection présidentielle américaine. Mardi avait lieu le Super Tuesday, vous savez, la journée la plus attendue de la campagne américaine. 15 États qui ont voté en même temps pour désigner leur candidat. Et guess what? Eh bien, les gagnants sont Donald Trump et Joe Biden. Pourquoi Donald Trump continue d'exercer une fascination chez une partie des Américains, malgré ses provocations, malgré ses polémiques, malgré ses affaires judiciaires? Pour en parler, Mélissa Bell, qui est toujours avec nous et qui est la correspondante de CNN en France. Et on accueille le fan numéro 1 en France de Donald Trump, Nicolas Conquer. Il est le porte-parole du Parti Républicain. Bonsoir Nicolas Conquer.
Merci d'être avec nous ce soir. On va en savoir plus sur vous parce que vous êtes le porte-parole du Parti Républicain. Vous êtes un fan de Trump de la première heure. Et c'est vrai que nous, d'un point de vue français, on a du mal à comprendre l'enthousiasme qu'il peut susciter. On voit, nous, plutôt les outrances. Mais vous allez nous corriger, ou en tout cas peut-être essayer de corriger notre regard. On va le voir dans un instant. On va parler du Super Tuesday, on va parler de la course à la présidentielle. Mais d'abord, je voulais vous interroger sur ce qui est l'actualité de la semaine en France. Est-ce que ça a passé l'Atlantique, ce qui s'est passé, les dernières déclarations d'Emmanuel Macron, quand il dit qu'il n'exclut plus d'envoyer des troupes au sol en Ukraine, quand il dit que le soutien de la France et des alliés doit être sans limite, et quand il appelle les alliés, justement, à les alliés de l'Ukraine, à ne pas être lâches et à se réveiller. Comment est-ce que ça a été perçu? Comment ça a été reçu aux États-Unis, Mélissa? Je pense que l'inquiétude est grande, puisque ça arrive à un moment aussi où, du côté américain en tout cas, le soutien continu vers l'Ukraine est en doute, mais du côté de Washington, bien sûr, ça tombait à un moment où justement… – Donc même du côté de Joe Biden, on s'est demandé pourquoi Emmanuel Macron dit ça aujourd'hui ?– Je pense qu'il y a très peu de compréhension sur pourquoi c'est mieux de cette forme-là. Et puis après, l'Élysée d'ailleurs a tempuré un peu, a tenu une conférence de presse en disant « oui, mais on parle de déminage, on parle de… »– De formation. – On parle de formation. – C'est voilà, pas les troupes françaises qui vont aller au sol. – Et donc sa sortie était beaucoup plus radicale que ce qu'il voulait dire. Nicolas Conquer, oui, qu'est-ce qu'on dit au Parti Républicain des déclarations ? On sent que là, Emmanuel Macron est dans des effets d'annonce, un peu va-t-en-guerre, et qu'en soi, il n'apporte pas peut-être le soutien dans la même proportion que ce qu'est en train de faire le contribuable américain via l'apport qui est apporté par le Congrès de manière répétée depuis le début du conflit. Et d'ailleurs, cette aide, elle est arrivée à l'Ukraine d'ailleurs en amont du conflit. Déjà, c'est important de le rappeler, déjà sous Donald Trump, il y avait de l'aide qui était apportée à l'Ukraine et donc qui leur a permis de faire face, peut-être dans une moindre mesure, mais peut-être déjà de se préparer par rapport aux différentes menaces auxquelles ils faisaient face avec la Russie. Donald Trump, c'est un businessman. Donald Trump, il cherche des résultats et à travers ses déclarations qui sont peut-être un peu fracassantes, il obtient des résultats. On va l'écouter. The president of a big country stood up and said, "Well, sir, if we don't pay and we're attacked by Russia, will you protect us?" I said, "You didn't pay, you're delinquent. No, I would not protect you. In fact, I would encourage them to do whatever the hell they want. You got to pay." Il va quand même plus loin. Il dit, j'encouragerai Poutine et la Russie à continuer de vous attaquer si vous ne payez pas. Cette anecdote qui est rapportée dans un meeting, est-ce qu'elle a vraiment eu lieu ou pas? Vous pensez que c'est des fausses... On est dans un meeting, je laisserai à chacun apprécier un petit peu le cas de cette déclaration-là. Encore une fois, ça s'adresse à un meeting dans sa base et c'est aucunement à une relation diplomatique qui est en train d'être menée par le secrétaire des affaires étrangères américain avec la Russie. C'est intéressant ce que vous dites. Vous niez pas le fait que cette vidéo soit vraie, mais il s'adresse à un public républicain. Là, l'objectif dans l'histoire, c'est surtout de montrer est-ce qu'il y a une équité pour que les Américains soient là, l'argent du contribuable américain, c'est ça là dont il est question. Et donc, je pense que Donald Trump a à cœur ces préoccupations-là. C'est ce qui fait quelqu'un de proche du peuple, de dire de quel droit, pourquoi est-ce qu'on attend du contribuable américain à ce qu'il finance l'effort de guerre des autres pays membres de l'OTAN qui, eux, ne financent pas. Mais ce que dit Mélissa, elle a un point. C'est-à-dire que ce que vous dites, c'est en gros, quand il parle dans ses meetings, c'est pour exalter les forces et donc leur dire ce qu'ils ont envie d'entendre. Ce n'est pas forcément ce qu'il fera, c'est ça que vous dites. Est-ce qu'il le fera d'une manière ou d'une autre? L'enjeu, c'est surtout d'obtenir des résultats et qu'on mette à fin à ce conflit qui n'a que trop duré et qui a été déclenché sous Biden. C'est bien important de le rappeler. Lorsque Donald Trump était en poste, le monde était en paix. Est-ce que le monde est plus en sécurité aujourd'hui ou est-ce qu'il était plus il y a 3 ans sous Donald Trump? On peut très vite mettre fin à cette guerre, c'est vrai. L'Ukraine peut être rendue à la Russie, c'est hyper rapide. Ça peut encore une fois, c'est que vous êtes dans la tête de Donald Trump, vous essayez de lui prêter des pensées comme quoi il va vouloir se plier face à Donald Trump, face à Poutine, alors qu'il n'en est aucunement question. Il pourrait très bien inverser la situation et pouvoir faire plier... Ils étaient quand même plutôt, entre guillemets, camarades sans... Les chefs d'État qui se respectent. À l'époque, il n'y avait pas de guerre. Je veux dire, par exemple, l'intrusion dans la campagne de Trump des Russes avant les votes, par millions et par millions. D'accord. Sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux, pour dire, oh là là, moi je vais voter Trump, qui était des millions de faux comptes. Tout ça, on ne le prend pas en compte. On ne prend pas en compte dans la mesure où il y a des rapports qui s'appellent un rapport Mueller, qui a mobilisé le Congrès pendant plus d'un an et demi, qui a coûté plusieurs millions de dollars aux contribuables américains et qui a complètement exempté Trump de toute collusion avec la Russie sur ces sujets-là. Il n'a pas exempté la Russie, en tout cas, de toute collusion de son côté.
Donc il n'y a pas d'histoire d'interférence. Vous êtes enfin, en train de contester Nicolas la Conquer. Légitimité de l'élection non, de Donald Trump. Pas du tout, pas du tout. Pas du tout. Oh là là, oh là là, ce langage. Contester la légitimité de l'élection de Donald Trump, ça veut dire, entre guillemets, ça amène à un faux vote et ça amène au Capitole. Ça veut dire que vous ne regrettez pas ce moment. En l'occurrence, c'est vous qui contestez. Alors en l'occurrence, moi je suis en train de vous dire que là, Donald Trump, il a été légitimement. Nicolas Conquer, vous êtes franco-américain. Vous avez été touché par la grâce trumpiste dès le début, dès son arrivée. Je pense que ce n'est pas un phénomène spontané. Ça a mûri progressivement. Mais qu'est-ce qui vous plaît chez Trump ? Alors, chez Trump, déjà, il y a un renouvellement du personnel politique. C'est quelqu'un qui a occupé aucun mandat politique, qui est issu de la société civile, qui est un businessman et qui incarne un peu ce rêve américain. Qui a quelques soucis financiers en ce moment. Indépendamment de ça, je pense que c'est le propre de tous les businessmen et vous pourrez demander autour de la table. Tout le monde connaît des revers, de peut-être. De faire des escroqueries Ça, c'est pas la question. Il est présumé innocent. Ça, c'est la première chose. Il est condamné dans deux procès civils. Dans l'État de New York. Là, on pourra parler de l'instrumentalisation de la justice, qui est aux mains de certains procureurs qui sont des procureurs militants et activistes. Hein. Ils sont élus sur des bases comme ça. Je vais vous expliquer comment ça se passe aux États-Unis. Les procureurs sont élus. Et les juges permettent un petit peu ils ont choisi, c'était pas tant le crime, c'était il fallait se faire Trump. Et Trump qui lui-même a nommé des gens au Congrès qui sont vraiment de son côté. Dans la Cour suprême, vous voulez dire. Dans la Cour suprême, pardonnez-moi. Eh bien, ça c'est les prérogatives. À vie. Absolument, mais c'est le fonctionnement de la Cour suprême. Donc vous pouvez ou ne pas aimer. Je pense que c'est l'institution qui a le plus de foi, de crédit aux États-Unis et qui fonctionne très bien. Et d'ailleurs, ces juges-là, ils sont pas forcément. C'est pas tant la question, mais c'est juste, ils mettent en place. Si c'est fort de veiller au respect de la Constitution, cette Constitution américaine qui est en place. Et d'ailleurs, ces trois juges qui ont été nommés par Donald Trump prennent pas forcément fait des causes vis-à-vis de Trump, d'ailleurs. Mais Elisabeth, cette fascination qu'a Nicolas Conquer, mais qu'a une grande partie des Américains, 30-40%, qui va peut-être l'amener à revenir au pouvoir, comment on l'explique ? Certains historiens spécialisés des États-Unis parlent d'un phénomène de gourou, de secte, ses adeptes qui lui passent tout, quels que soient ses problèmes avec la justice, les 90 inculpations, rien. Côté rockstar, son côté... Pour des purs et durs, et qui était vraiment de son côté depuis le départ, et puis aussi pour le Parti républicain maintenant, qui voit la possibilité de revenir au pouvoir, quelqu'un qui finalement leur a donné ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire une Cour suprême qui est de leur côté, et c'était depuis des décennies le souhait du Parti républicain. De pouvoir se faire entendre sur des positions plus conservatrices sur de nombreuses questions sociétales, l'avortement, etc. Donc il leur a donné ce qu'ils voulaient, même si au début, beaucoup de ces républicains à l'ancienne étaient plutôt contre le personnage lui-même. Il leur a donné ce qu'ils voulaient, et donc beaucoup, donc il y a ceux vraiment qui sont ses partisans purs et durs et qui le sont depuis le départ et qui le sont toujours, quoi qu'ils fassent, comme il l'avait dit très justement, je pourrais tuer quelqu'un sur la 5e avenue, ils seront toujours là. Il y a ceux dans le Parti républicain qui ont été convaincus par ce qu'il a réussi à leur apporter et qui étaient dans leur cahier de charge depuis des décennies. Aujourd'hui, on se dirige vers quelques semaines tumultueuses, turbulentes sans doute. Je crois qu'il doit ses 85 millions à Xi Jinping d'ici lundi. Après ça, il y a le reste du demi-milliard de dollars qu'il doit dans ses condamnations civiles. Et puis, commencera avant la fin du mois le premier procès criminel, cette fois pour l'argent qu'il aurait donné à une actrice porno. Donc les prochaines semaines vont se jouer et dans l'opinion publique et devant la justice. Est-ce que ça joue vraiment ? Visiblement, non. Y compris l'argent éventuellement présumé innocent, donné à cette actrice porno pour avoir des relations avec elle et pour qu'elle se taise. Ça joue quelque part. Lui s'en sert pour se présenter comme un dissident politique. Navalny américain, etc. Ouais. Et puis, la crainte pour ceux qui ne sont pas trumpistes ou des républicains qui ne votent pas pour lui ou les autres, c'est qu'arrivé au pouvoir, il se serve du retour entre ses mains des pouvoirs exécutifs, justement pour régler des comptes personnels. Il menace à nouveau les médias. Pour ce qui est de ses condamnations, on ne sait pas s'il sera condamné d'ici l'élection. Si c'est le cas, on peut s'imaginer, vu le personnage et vu son historique, qu'il puisse se servir à nouveau du levier des pouvoirs pour... Parce que la Constitution ne l'empêche pas de se présenter, c'est ça, hein ? Théoriquement, ça permettrait de toujours être candidat. Vous êtes sûr qu'il va gagner ? Là, effectivement, on peut regarder à travers différents prismes. Effectivement, les sondages à 8 mois de l'élection ne veulent pas dire grand-chose, mais il y a une tendance qui est de constater que, d'une part, dans les États qui font l'élection, Donald Trump a une longueur d'avance assez considérable, et derrière, on a une situation dans laquelle...
6 Américains sur 10 estiment que le pays ne va pas dans la bonne direction. Donc, il a une cote de popularité qui est que, dans l'histoire moderne, aucun président sortant a été réélu sur ces bases-là. Il est particulièrement bas. C'est vrai que la mobilisation, elle est du côté des Trumpistes plutôt que de Biden. Et l'inquiétude est énorme du côté des démocrates. On entendait quasiment le souffle de soulagement après son discours d'hier soir, où ça s'est bien passé, il a réussi à avoir l'air fort, puissant, combatif, on entendait presque le soulagement. Biden. C'est presque audible du côté des démocrates. On parlait de Joe Biden. Joe Biden, hier soir, c'était son, hier, il a fait son discours devant la Chambre des représentants. Mais son âge, Mélissa Bell, son âge. Son âge et le fait que Macron et Mitterrand. Ça sera quand même, Léa, la troisième élection de suite où une partie du Parti républicain et une partie du Parti démocrate vont vers l'urne derrière des candidats. Mais pourquoi il n'y a personne d'autre, ni chez les Républicains, ni chez les démocrates? Parce que ça, c'est l'homme un peu providentiel du moment. C'est-à-dire qu'il y a d'autres candidats, on l'a vu. Lors de la primaire républicaine, ils étaient 16 à se lancer au moment de la ligne de départ, avec des candidatures qui sont prometteuses et qui seront un avenir à jouer dans le futur du Parti républicain. Mais là, aujourd'hui, dans la situation actuelle, c'est Donald Trump qui est d'ailleurs le grand favori. Hein. Ce n'est pas juste lui qui a une main mise sur le parti. Il est donné gagnant à l'heure actuelle. Donc pourquoi se priver de ces options pour envoyer un républicain à la Maison-Blanche. Vous aimeriez aller faire de la politique aux États-Unis? C'est les choses que j'ai déjà considérées. Quand on vous a demandé votre âge, vous avez dit j'ai l'âge d'être président des États-Unis. Bah déjà, voilà, c'est effectivement. Tout simplement, parce qu'on n'a pas le droit. C'est 36 ans, il en a 37. Si Trump gagne, vous repartez aux États-Unis? C'est clairement une administration dans laquelle on a envie de servir et de continuer à pouvoir jouer dans cet agenda, et que ce soit aux États-Unis ou en France. Ça peut prendre de différentes manières possibles, mais savoir là où on est. Mélissabelle, ça vous fait marrer? Oui, parce que finalement, la vision que présente Donald Trump est tellement démagogue, bien sûr, mais noire et plein de colère et de hargne et de hargne personnelle aussi. Et une image des États-Unis qui est tout sauf ce qu'on peut imaginer être vendeur dans une campagne C'est qu'on n'a pas les mêmes lunettes là-dessus. Ah bah c'est sûr que vous n'avez pas les mêmes lunettes. Là, hier, il y avait un discours sur le State of the Union, donc l'adresse à l'Union de Biden. Que vous avez trouvé effroyable, vous. Non, mais typiquement, effectivement, il a pris l'ascendant sur le prompteur et encore, c'était assez pénible à écouter. Trump est sur le prompteur en permanence aussi. Hein. Non, mais à côté de ça, il est en mesure de tenir des meetings plusieurs par jour et voilà. Il n'est pas si jeune non plus. D'assurer des conférences de presse. Moi, je ne mentionne jamais l'âge. Je mentionne. Il fait des gaffes aussi. Reconnaissez que même Trump fait des gaffes. Moi-même, chute dans l'escalier. En tout cas, on va vous réinviter tous les deux. Vous venez quand vous voulez nous parler de la campagne électorale américaine. On va encore en reparler, à mon avis, assez longtemps. Mais c'est vrai qu'au moins, on a des positions bien tranchées. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Dans quelques minutes, revient Philippe Cabrivière pour son fil actu. Mais c'est maintenant votre moment, mon cher Aurélien Lejeune. Vous avez 38 ans, vous habitez dans l'Eure, vous mesurez 1m83, vous pesez 160 kg et vous êtes tout simplement l'homme le plus fort de France. Il est chez nous. Vous êtes même le tenant du titre depuis 5 ans. Regardez les images, c'est hallucinant. On va vous voir tirer ce camion de 20 tonnes à la force de vos bras. C'est vous qui le tirez, c'est hallucinant. Vous soulevez... Non, il fait 20 tonnes. Ça, regardez, il soulève le Hummer, tranquillou. Hop. Oui, avec un bras de levier. Hein. Oui, mais bon. Faites-le, Christophe. Là, regardez, ça, c'est une voiture qui va renverser. Regardez la voiture qui renverse, tranquillement. Alors, moi, je vous veux là, avec moi, parce que quand je pars en tonneau... Les pneus, alors ça c'est un pneu. Ça c'est dur ça. Un pneu de 500 kg avec les mains, tranquillou. 500 kg les amis. Hein. Et ça c'est le plus compliqué ça. Et ça c'est une pierre de 160 kg qu'il porte et qu'il met en haut. C'est vachement dur. Hein. Dis-moi, explique la technique. En fait, c'est. Il n'y a pas de prise. Ouais. C'est une serre, donc il faut arriver à faire un netto avec ses avant-bras pour la hisser sur ses genoux, le ventre et après. Et combien elle fait la pierre la grosse? J'ai le record de France là-dessus, moi, avec 220 kg. Ouf. Sans prise. J'ai fait une fois, c'est des jeux de force basque, alors c'est bien moins lourd que ça, j'ai craqué mon falzar. Ça peut arriver, ouais. Qu'est-ce que c'est, le falzar? Un pantalon. Ah, pardon. Qu'est-ce que c'est, le falzar? C'est une histoire de région, alors, c'est des mots de région, c'est pas... Je vous présente Léa Salamé du 18e siècle. Plus léger, plus mignon, quand vous portez votre fille, ça donne ça. Ah oui. Je fais quoi de ce paquet? Elle doit adorer, non?
Il y a maltraitance. Il y a maltraitance. Demande. Elle a quel âge, ouais, vas-y. Elle a 3 ans. Vous imagine. Pouvez la porter avec un doigt, ça, c'est... Ah oui, bah après, il y a le frère qui vient qui demande la même chose. Et vous passez votre temps à les porter pour leur faire plaisir. C'est ça, voilà. Bon, alors... Les courses avec votre femme, c'est vous aussi, j'espère. C'est moi aussi, ouais. Qui, c'est à quel... le chariot. Ouais, ça va. Ça va plus vite. Non, chérie, pas avec le calme. Bébé, viens. Ouais, viens. Voilà, allez, roule. Combien d'heures d'entraînement par jour? Je m'entraîne 15 à 20 heures par semaine, sur 5-6 fois par semaine. Oh là 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 là. Donc c'est un gros volume d'entraînement et de stade depuis 22 ans. C'est 22 ans que je m'entraîne. Ça fait 22 ans que vous portez, voilà, ouais. C'est ça l'entraînement. Et pas de problème de disque, pas de problème de genou. Je me suis opéré du genou en 2018, ouais. Ah. Et le dos, non, rien du tout. Je connais pas le mal le dos, j'ai jamais mal au dos. Alors, autant aux États-Unis, des gars qui font ça sont millionnaires, franchement. Pas autant... millionnaire, peut-être pas. Non. Mais c'est très populaire aux USA, j'y vais souvent d'ailleurs. Et vous gagnez de l'argent? J'ai réussi à en vivre, ouais, c'est mon métier maintenant. Alors, c'est pas directement mon sport, c'est plus via les réseaux sociaux. J'ai la chance d'avoir une bonne communauté, d'avoir fait beaucoup de collaborations avec des gros youtubeurs. Avec Thibaut Inchep, Greg MMA, etc. Thibaut Inchep, la première fois que je l'ai rencontré dans les salons de musculation, fitness sur Paris, c'était une dizaine d'années, facile. Ouais. Et quand j'ai vu l'attroupement autour de lui, je me suis dit, qui c'est en fait? Ce gars. Quel titre il a? Quel palmarès il a? Les gens m'ont dit, non, il a rien, c'est un youtubeur. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Et j'étais un peu à côté des réseaux sociaux. Finalement, Thibaut Inchep m'a contacté quand j'ai eu mon premier titre en 2019 pour faire une vidéo avec lui. Et là, vous avez j'ai vu l'impact que ça pouvait avoir. Et du coup, moi, je me suis dit... On a une barre de 100 kilos, nous, ici. Ouais. Est-ce qu'on peut l'amener? Je l'ai rangée dans ma loge. Alors, je vais la chercher. Elle est où, là-bas? Je vais la chercher. Vous pouvez nous montrer comment vous faites, là, sur ça? Ils sont 3. Vous, allez-y. Attends, ils sont 3, dont 2 costauds, hein, je te le dis. Hein. Vous, c'est facile pour vous, ça? Oui, 100 kilos, ça va pas. Ah, on y va. Christophe, à froid. Allez-y. Moi, j'aime ce métier. Patrick. Ça va aller. Philippe. Si. Non, mais Philippe. Je le fais tout seul, lui. Montre-leur tout ce que je t'ai appris, s'il te plaît. Montre-leur tout ce que je t'ai appris. Juste essayer de ne pas craquer. À froid. Pas le zard, comme dirait. Ah, t'as déjà fait 100 kilos? Quand je jouais, ouais, on faisait... Ah oui. Ça va. Ah, arrête. Et voilà. 100 kilos, mais vas-y, t'as reproduit doucement. C'est possible de la bouger, tu crois? 100. Vous pouvez la bouger, allez-y. J'ai une prothèse, là. Je me suis faufilé il y a à peine 5 ans. La bonne excuse. Tu me donnes juste le truc pour pas me tuer le dos de ma race. Juste savoir le dos. Je vais vous faire vomir. Attendez. Il s'y colle. Descendre sur les jambes. Non. Attends. Je vais d'abord essayer là. D'abord là. Bon, là, d'accord. Ça va. Okay. Facile. J'y arriverai pas. Il va y arriver. Mais si, ça va le faire. Non, parce que ça va m'entraîner. Je vais faire une connerie. Enlevez cette musique, s'il vous plaît, j'en peux plus. Christophe Balboa. Allez. Wow. Je l'aurais fait. On va mettre un table. Ça va aller, attends. Je m'assois. Oh, y arriver. Oui, c'est bon. T'as vu comme il l'a porté? C'est une plume. Tout le monde peut être l'homme le plus fort de France? Non. Ou il faut une prédisposition physique? Oui, c'est comme tout sport de haut niveau. Je pense que tout le monde peut pratiquer ma discipline, contrairement à ce qu'on peut croire. Mais atteindre le haut niveau, non, tout le monde ne peut pas le faire. Bon, alors, le régime, parce que moi, j'ai lu un truc, que vous mangez 6000 calories par jour. C'est ça. Ça veut dire quoi? Vous mangez Je répartis ça en 6 repas par jour. Mon rêve. À lui tout seul, il me remplit mon restaurant. On est nombreux. C'est bonnard, ça. Alors, comment on fait? C'est 6 repas par jour. Après, beaucoup de viande, ça, des repas hyper protéinés, hyper glucidiques aussi, ce qu'il faut beaucoup. Les œufs, vous mangez beaucoup? Parce que Thibaut InShape, il fait que ça, manger des œufs. Des œufs, je suis très viande, moi, quand même. Ah. Très, très viande. Et vous faites gaffe avec la nourriture, les enfants et tout ça, j'imagine? J'essaye, moi, de parce manger assez... Parce que vous pas un super exemple. Faites gaffe de ne pas manger les enfants. Ils sont dodus à cet âge-là. Ça. Est-ce que vous avez de l'autorité, quand même, sur vos enfants?
avec vos muscles, là, c'est plus facile. Non, ma fille fait ce qu'elle veut de moi. Bien sûr, bien sûr. Est-ce que vous pleurez quand même devant une comédie romantique? Bah, je ne regarde pas. Pour éviter de pleurer. Pour éviter de pleurer, voilà. Et question sérieuse, jamais de dopage, pas de stéroïdes, rien? C'est vrai que dans notre discipline, et notamment dans les pays de l'Est, c'est quelque chose qui va être très courant. Mais en France, je pense qu'on est un des pays, si ce n'est le pays le plus contrôlé là-dessus au monde. Donc propre. Donc voilà. On donc vous jamais. France, on n'a pas le choix. Au début, peut-être si, quand même, pour faire démarrer tout ça. Non, du tout. Parce que j'ai commencé, moi, j'avais 17 ans, je faisais 85 kilos. Et c'est monté progressivement, en fait. J'ai pas eu de prise de poids fulgurante. Ça fait 5-6 ans que je me maintiens à ce poids-là. Mais j'ai de la chance, ma morphologie. Et vous conduisez? Vous avez une voiture? Et j'ai une voiture, oui. Et pour trouver une bonne voiture, parce que 160 kilos juste sur un siège à gauche, faut beaucoup de chariots de course pour équilibrer de l'autre côté. J'ai une bonne voiture. Aurélien Lejeune, mesdames, messieurs, l'homme le plus fort de France et bientôt du monde. Et on peut vous suivre sur les réseaux sociaux. Et on vous dit bonne chance pour la prochaine épreuve en Russie. Et on retrouve pour finir Philippe Cavrivière. Ça va? Je ne m'en remets pas des deux ligonesses. Je suis... Non, je suis encore dedans. Non, mais j'ai vraiment accroché avec Christine. J'ai un petit scoop. Ah? Xavier de Ligonesse est en coulisses depuis tout à l'heure. Bon. Il a fait un break. Il a pris 3 jours sur son boulot d'espion, qui lui prend beaucoup de temps. Et j'étais avec lui il y a 2 minutes et il veut pas aller en plateau parce que c'est un grand timide. Voilà, il me dit voilà, moi je respecte ça, tu vois, il a son petit jardin secret, et il a sa petite terrasse secrète, enfin moins secrète. Je vous dis toute la vérité, on a même fait. Moi je suis fan, donc j'ai demandé un selfie. Bon, voilà, vous voyez qu'on s'est marré en loge. Alors, de la musique avec Aya Nakamura qui oui. pourrait reprendre Edith Piaf à la cérémonie d'ouverture des JO. Ouais. Et oui, après l'IVG dans la Constitution, une femme noire qui chante aux JO, cette semaine pour CNews. CNews qui a proposé un plan B, ils ont dit pourquoi pas prendre Michel Sardou et lui faire une blackface. C'est pas idiot. Alors je rappelle que Edith Piaf, le monument de la chanson française, avait des origines italiennes et algériennes. Moi j'aime bien, je trouve ça le symbole, c'est fort, c'est la vérité. Si ça se trouve, elle aurait pu s'appeler Rachida Piaf. Elle aurait tout aussi bien chanté. Bon, malheureusement, elle aurait eu un petit peu moins de succès dans les années 50, on va pas se mentir. En tout cas, Aya Nakamura qui chante Piaf, ça reste plus cohérent que Edith Piaf qui chante Aya Nakamura. Parce qu'on imagine très mal Edith twerker du yonf sur La Vie en Rose, tu vois. Sur sa fin de carrière, c'est vrai qu'Edith, bon, quand elle était très vieille, quand elle avait 37, 38 ans, elle avait un peu les os en biscotte, Edith. Elle aurait fait des miettes en se cambrant, elle a fait bla bla bla, Pookie, oh merde, ma hanche, oh. Déjà que Marcel Cerdan m'a cassé les pattes arrière hier soir. C'est vrai? C'est authentique. Tout ça est authentique. Vous allez encore être critiqué sur les réseaux sociaux. Oui, oui. Attendez ce qui suit. Eh oui, selon une étude... Là, c'est chaud ce qui arrive. Selon une étude internationale, le taux d'obésité a plus que doublé chez les adultes en 32 ans. La barre du milliard de personnes touchées par l'obésité dans le monde a été dépassée. Chanson française, c'est avant tout des grands textes. C'est pas du Patrick Fiori ou du Icard, ça. Alors, on peut être mignon et gros. Si on est heureux, tant qu'on est en bonne santé, voilà, trop gros, trop maigre, on s'en fout. Voilà. Il y a trop con, c'est moins simple de penser quelque chose. Alors, je sais pas si j'ai choisi la bonne place et le bon moment pour faire des vannes sur les...
Sur les gens qui ont bon appétit, les bons vivants. Ça va, toi? Alors, 1 milliard d'obèses. Alors, la question qu'on se pose tous, bien sûr, c'est est-ce que la planète va tenir? Ou bien est-ce qu'elle va, à un moment donné, elle va tomber d'un coup, la planète? Parce qu'on sera devenu trop lourd, ce sera de notre faute. Et bon, moi, ce qui m'inquiète, c'est comme la Terre est plate, faut quand même penser à répartir les gens qui mangent bien, pas du même côté, sinon ça va comme le plateau d'un serveur maladroit, quoi. Donc, faut faire attention. Il n'est pas content, regardez, il n'est pas content. Alors, pour cette dernière chronique, on apprend dans cette étude, ça c'est très sérieux aussi, que les femmes sont plus touchées par l'obésité que les hommes. Il y a plus de femmes. Ah bon ? Alors, il y a une explication toute bête, eh bien, c'est à cause des féministes. Car aujourd'hui, les hommes n'osent plus dire à leur secrétaire, par exemple, « Dis donc, Corinne, on n'aurait pas un peu pris du yonf ?» Hey, on va se calmer sur le hachis parmentier à la cantine. Avant, on pouvait parler comme ça aux femmes, et à cause des féministes, on ne peut plus. Ils ont tout foutu en l'air, voilà, tout se perd. L'affiche officielle des Jeux Olympiques 2024 a été dévoilée. Elle est considérée par son créateur comme surréaliste. Ah oui, c'est vrai que c'est très joli. C'est où? C'est Paris, là. Il paraît que c'est Paris, ça ne ressemble pas du tout. Alors, il y a un petit côté ludique, on l'a dit, où est Charlie? Parce qu'il y a des mascottes, il y a 8 mascottes. Ah oui, des mascottes. Voilà. Alors, celle-là, là, on est d'accord tous, la mascotte est moche, oui. Mais celle-là, il y a une super idée, parce que c'est la mascotte paralympique. Et c'est la ministre des Sports qui me l'a offert, Amélie Oudéa Castéra, qui l'a faite et qui me l'a offert. Donc, merci. Et ça, c'est une très belle idée. Ça, c'est une idée merveilleuse. Voilà. Alors, il y a 8 mascottes cachées dans le décor. Je vous donne quelques indices. Il y en a une derrière un gros rat, sur la gauche. Il y en a deux à côté des SDF. Et il y en a une à côté du dealer de crack. Vous allez voir, c'est comme ça, vous en avez 4. Alors, sur l'affiche, vous avez vu que la scène est vert émeraude. Alors qu'en vrai, elle est plus marron. Et c'est vrai que le marron, ça va avec tout. Et heureusement que la scène n'est pas transparente parce qu'il y a un bordel là-dessous. C'est vrai que c'est un Darty sous-marin, la scène. Il y a des télés, des machines à laver, des Vélib, 3 anciens finalistes de la Starac qui sont là. Alors, Anne Hidalgo doit rendre la scène baignable pour les JO. Moi, je pense que c'est jouable. Jésus, il a changé l'eau en vin. Anne Hidalgo, elle doit changer l'eau en eau. C'est pas... C'est faisable. Et pour finir, le nageur Théo Curin est entré au musée Grévin. Ouais. C'est le premier athlète handisport à avoir sa statue de cire. Et vous étiez à l'inauguration au musée Grévin, petit filou. Image exclusive, regardez. Félicitez-moi en me disant que j'étais très courageux et que j'avais su rebondir très très fort et très très vite. Mais c'est vraiment grâce à vous tous, les oncles, les tantes, les cousins, les cousines, mes parents, ma sœur. Et je pense que vous toutes, enfin ma famille, vous mériterez tous une statue au musée Grévin pour votre courage. Bon, bravo, très émouvant. Très émouvant. Eh oui. Parce que cette chronique, c'est aussi de l'émotion. Il n'y a pas que des blagues sur des cathos qui font des partous dans les paroisses. Non, mais il était très ému, Théo, parce qu'il a réalisé son parcours d'un coup. Il ne s'est jamais arrêté. Il a 23 ans, il a fait des exploits de fou. Et c'est la première fois que je le vois aussi ému. Et oui, je connais des vedettes, pour être précis, des demi-vedettes. Hein. Je ne parle pas de la notoriété, je parle du physique. Théo a perdu ses 4 membres. C'est 2 de plus que les Beatles. Et pourtant, lui a continué à se produire partout dans le monde. J'ai envie de dire, petite bite, les Beatles. Alors, on sait que le musée Grévin fait face à des difficultés financières et c'est assez malin de choisir des people comme ça, sans bras et sans jambes. Ça coûte moins cher déjà en matière première. Et sachez-le, en décembre, ils ont retiré la statue de Depardieu et Théo Curin était fabriqué avec juste un mollet de Gérard. Alors, ça m'est arrivé, c'est vrai. On s'est tous moqués, c'est vrai qu'on se balade dans le musée Grévin, et puis on regarde les trucs, on fait « Oh, Nadine Morano !» Et puis on regarde les étiquettes, et c'est marqué « Marilyn Monroe ». On dit « Ah, ils l'ont un peu raté, quand même !» Moi, j'essaye de reconnaître, je dis « Oh, Jean-Louis Borloo !» Non, c'est José Dayan. Bon, non.
Et à un moment, je me balade et je dis, putain, il y a Paul de Saint-Sernin qui a déjà ça. Et non, c'était Louis XVI, donc rien à voir. Mais il y a un truc assez fou, c'est que la statue de Théo Curin ressemble à Théo Curin. Et même s'il est assis, on se sent tout petit à côté de Théo Curin. Ah, bravo. Bravo pour lui. Merci Philippe, merci Paul de Saint-Sernin. C'est la fin de Quelle Époque. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas, Philippe Etchebest, la saison 15 de Top Chef, dès mercredi prochain à 21h sur M6, le documentaire Un chef au bout du monde, la Louisiane, diffusé lundi à 23h sur M6, double dose d'Etchebest sur M6 la semaine prochaine, et le livre Cuisiner bien accompagné avec ma méthode mentor aux éditions Albin Michel. Patrick Fiori, le nouvel album Le Chant est libre. Des fans en concert le 4 mai à la scène musicale, en tournée dans toute la France jusqu'en décembre, et à l'Olympia lundi soir contre le cancer du pancréas. Marie-Claude Pietragala, Pietra, Gisèle, avec votre troupe, actuellement en tournée dans toute la France, à Paris à la scène musicale du 14 au 17 mars. Ça, c'est pour Pietra, pour votre deuxième spectacle, c'est La Femme qui danse, également jusqu'au 8 décembre. Le livre de Christine Dupont de Ligonnès et Bertram de Verdun, Xavier, mon frère présumé innocent, c'est aux éditions Harper Collins. Aurélien Lejeune, mesdames, messieurs, l'homme le plus fort de France. Merci aussi à Mélissa Bell et à Nicolas Canquer d'avoir été avec nous. Paul, Philippe, Christophe, merci à tous les trois. Mais merci Léa. Et vous avez moins de 26 ans, vous rentrez dans une pharmacie. Vous criez sortez couvert et vous partez avec une boîte gratuite de préservatifs. Vous pouvez casser les meubles et faire les fous. Et bien sûr, sortez couvert, bon week-end. Paul, on te retrouve où? Ouais, ouais, j'ai fait Top Gear, comment tu sais? Mais oui, mais je le sais. Et c'est diffusé vendredi prochain. Okay. À 21h sur RMC Découvert. Tu me l'apprends. Et bah, j'ai conduit des voitures et j'ai été nul. Hein. Je, vraiment, ah j'ai ouais ouais. Bah, on va regarder du coup. Top Gear avec Paul de Saint-Sernin vendredi prochain sur RMC Découvert. Merci à tous, à samedi prochain. Quelle époque! Pas d'emoji dans les messages, mon sang brûle. Casse pas les couilles, je veux pas ton avis sur tout. D'ailleurs, je veux pas que tu m'écoutes. Pressé d'arrêter, j'envisage de faire un mytho. Sois tout en dos, choc, remue une couche. Ah, numéro 4 Dangerous. Ah, la mémoire est courte, c'est moi qui ai ouvert l'autoroute.